Bonjour à ceux que j'ai pas déjà salués, on va pouvoir commencer. Donc d'abord, merci à tous d'être venus assister à cet événement, mes travaux de recherche en 300 secondes, qui est organisé dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Alors la Semaine du Cerveau, pour ceux qui ne savent pas, c'est un événement qui existe depuis 17 ans en France. C'est la 10e année qu'on l'organise à Toulouse. Ça se déroule dans plus de 30 villes en France, 61 pays, enfin c'est un très très gros événement qui a pour but de permettre au grand public de s'informer sur l'actualité et la recherche qui est menée sur le cerveau et tout autour du cerveau. Donc aujourd'hui, l'événement est co-organisé avec la Corpo Science Toulouse, dont je suis le président. Donc c'est une association qui a pour but d'aider au quotidien les différents étudiants de l'Université Paul Sabatier qui sont inscrits dans les filières scientifiques via de nombreux services. Voilà, on va aujourd'hui avoir voir 8 conférences. Donc il y a un petit changement sur le programme suite au peu de conférenciers qui ont répondu présents aujourd'hui. Les travaux de recherche ne sont pas forcément présentés en 300 secondes. On leur attribue un créneau de 20 minutes maximum pour ceux qui le souhaitent et ceux qui souhaitent en profiter. On a également un jury qui est présent car à la fin un prix va être remis. Notre jury est composé de 3 membres. Donc nous avons Nicole qui est une institutrice retraitée, Dominique qui est négociant en vin sur Carcassonne et Carla qui est étudiante en première année d'informatique à Paul Sabatier. Alors le jury est volontairement très hétérogène et volontairement composé de personnes qui n'ont pas forcément effectué de travaux de recherche ou ce genre de choses, car la première chose que nous souhaitons juger, c'est réellement la vulgarisation de ces travaux de recherche et l'accès à tous. Voilà. Bah, du coup, je vais laisser la parole à la première personne, qui est Manon Moulis, qui est doctorante au sein du CRCA, qui est le centre de recherche sur la cognition animale, et qui va nous présenter sa thèse « Vivre ou mourir, telle est la question ». Donc bonjour, le titre de ma présentation a un peu changé. Aujourd'hui, je vais vous parler de super-héros présents dans nos neurones. Donc je laisse les derniers s'installer. Donc voilà, donc bonjour, je suis Manon Moulis, je suis doctorante au Centre de recherche sur la cognition animale. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce sur quoi je travaille, mais sous un format de 300 secondes, comme c'était prévu initialement, et le reste du temps pourra être dédié à des questions, si vous en avez. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de super-héros présents dans nos neurones, et contrairement à ce que vous pouvez penser, on ne va pas parler de science-fiction, mais de science tout court. Donc, comment ça va ? Donc, vous connaissez probablement Batman, Superman et autres super-héros, mais connaissez-vous la mitochondrie ? Non ? Donc, la mitochondrie est un élément de la cellule qui n'a rien à envier aux super-héros. Donc, les mitochondries sont présentes dans toutes les cellules de notre organisme. Elles sont essentielles car elles transforment l'oxygène que nous respirons en énergie dont la cellule a besoin pour fonctionner. Elles peuvent aussi orienter le destin cellulaire vers la survie ou vers la mort. Donc elles sont réellement essentielles et les mitochondries sont particulièrement importantes dans les cellules du cerveau, les neurones, notamment parce que ces cellules ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc les altérations des mitochondries sont d'ailleurs impliquées dans de nombreuses pathologies qui touchent les neurones. Dans de nombreuses pathologies qui touchent les neurones. Dans de nombreuses pathologies qui touchent les neurones. Non, c'est celle d'avant. Je ne sais plus où j'en suis. De nombreuses pathologies qui touchent les neurones. Ça va me revenir. Donc les mitochondries altérées, voilà, sont comme des super-héros fatigués. Elles sont moins mobiles, elles se déplacent moins vite. Et elles fournissent beaucoup moins d'énergie, ce qui va pousser les neurones vers la mort. C'est ce qu'on appelle la neurodégénérescence.
Donc on observe des neurodégénérescences dans les maladies d'Alzheimer et de Parkinson par exemple. Donc l'étude des mitochondries dans ce contexte constitue un enjeu de santé majeur. Donc mon équipe de recherche travaille sur une maladie de l'œil qui touche les neurones de la rétine. Non. Donc cette pathologie d'origine génétique est causée par des mutations. Non. Ah pardon. Ok. Cette pathologie d'origine génétique est causée par des mutations au niveau de la protéine mitochondriale OPA1. Donc les malades ont des mitochondries altérées qui vont conduire au cours du temps à une neurodégénérescence rétinienne entraînant des troubles importants de la vision. Dans cette équipe, mon travail de thèse est ciblé sur un des super-pouvoirs de la mitochondrie, celui de justicier, qui consiste à aider la cellule à survivre ou à mourir. Donc pour cela, la mitochondrie est aidée d'un assistant comme Batman et Robin, la protéine Bnip3, qu'on ne voit pas, qui vient interagir à la surface des mitochondries avec la protéine mitochondriale OPA1. Donc, mon travail de thèse consiste à étudier l'interaction entre Bnip3 et OPA1 et à essayer de comprendre quand et comment cette interaction module le choix entre survie et mort cellulaire. C'est comme si j'essayais de comprendre quand Batman et Robin décident de sauver ou de tuer le neurone et comment ils s'y prennent. Donc ce que j'ai pu observer, c'est qu'en condition de stress, lorsque les mitochondries sont altérées, Bnip3 et la mitochondrie font toujours le choix premier de la survie cellulaire. Donc ce choix se traduit par une augmentation de l'élimination des mitochondries altérées. Donc ce processus de recyclage est appelé mitophagie et est essentiel au bon fonctionnement cellulaire. Cependant, là ça marche plus. Cependant, en condition de stress persistant, donc le recyclage est probablement dépassé, les mitochondries altérées s'accumulent dans la cellule, pouvant perturber le bon fonctionnement cellulaire. Le choix s'oriente alors vers la mort cellulaire et des molécules toxiques séquestrées dans les mitochondries sont relarguées. Cette étape fait partie d'un programme de mort cellulaire appelé apoptose et est irréversible. J'ai également pu observer une diminution du niveau de Bnip3 dans les neurones modèles de la maladie de l'œil sur laquelle travaille mon équipe de recherche. Or, un défaut du recyclage des mitochondries altérées conduisant à une mort prématurée des neurones est suspecté dans certaines pathologies neurodégénératives comme Parkinson. Donc poursuivre l'étude de Bnip3 en association avec la mitochondrie pourrait permettre de mieux comprendre certains mécanismes liés à la mort des neurones. Donc voilà, je suis désolée pour l'enchaînement des diapositives, mais ma présentation est déjà terminée et je peux répondre à des questions si vous en avez. Merci pour cette présentation. Comment est-ce qu'on peut identifier grâce à ce travail, identifier une possibilité thérapeutique ? Alors, on en est loin parce que je suis dans une équipe qui fait de la recherche fondamentale. Donc, le but, ce n'est pas on n'est pas dans une phase de thèse de médicaments ou quelque chose comme ça. Mais faire avancer les connaissances et par exemple la détection d'un niveau amoindri de Bnip3, s'il s'avère qu'effectivement il y a un défaut du recyclage, on peut aller après cibler par exemple une augmentation du recyclage pour essayer de sauver ces neurones. Ça peut être une des pistes envisageables. Pas à l'échelle de la molécule pour aller tester, ou pour par exemple mettre une drogue, injecter une drogue qui pourrait aller augmenter ces processus de recyclage. Si le problème vient d'un défaut du recyclage. Bonjour. Moi, je voudrais savoir par qui sont financées les recherches aujourd'hui, vos recherches à vous. Alors, financées aujourd'hui, par... les recherches en ce qui concerne le fonctionnement au laboratoire ou mon salaire, les deux. Alors.
Il y a plusieurs types de financements. Il y a des financements d'organismes publics, le CNRS. Mon équipe fait partie du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique. Je pense qu'il y a des financements qui viennent de l'université aussi. Et après, il y a différentes petites associations privées. Alors Parkinson, donc moi je ne travaille pas spécifiquement sur Parkinson, mais je sais qu'il y a des Parkinson de type génétique et des Parkinson liés à l'environnement. Donc les Parkinson génétiques, le stress provient d'ordre de mutation génétique, et après les Parkinson liés à l'âge, on va dire, ou à l'environnement, ce sont d'autres types de stress. Donc je sais qu'il peut y avoir certaines molécules, des pesticides qui sont à l'origine de Parkinson environnementaux, on va dire, qui cible la mitochondrie, oui. Après, qu'est-ce que vous vouliez savoir plus précisément ? La mutation génétique de Parkinson ? Alors, il me semble que dans le Parkinson, c'est la protéine, la Parkin, qui est mutée. Et après, c'est en lien direct avec les mitochondries, puisque la Parkin, en fait, est une protéine, si je me souviens bien de mémoire, parce que je ne travaille pas exactement là-dessus, mais c'est une protéine qui est impliquée justement dans ce processus de mitophagie. Et puisqu'elle est mutée, il va y avoir un défaut du recyclage des mitochondries altérées, qui va conduire finalement à le neurone, sans ce recyclage des mitochondries altérées, va avoir un moins bon fonctionnement cellulaire, va être comme rempli de mitochondries défectueuses, pleines de petits déchets à l'intérieur du neurone, ce qui va conduire à sa mort. Parce qu'une cellule, quand elle ne fonctionne pas bien, elle finit par dégénérer. C'est le cas de... Et donc, dans Parkinson, c'est un type spécifique de neurone qui dégénère et qui conduit à des troubles moteurs et autres... S'il vous plaît, j'ai bien compris tout à l'heure que que le stress pouvait entraîner la dégradation de la mitochondrie, voilà. Oui. J'aimerais savoir au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres moyens, est-ce qu'il existe des moyens de prévention de cette dégradation justement la prévention pour comment peut-on savoir au jour d'aujourd'hui qu'une personne X qui n'a pas de Enfin, on a compris, il y a le stress, mais est-ce qu'il n'y a que le stress comme facteur déclenchant ou est-ce qu'il y a autre chose? Et comment savoir si on n'est pas plus ou moins sujet ou exposé à ce genre de... La question, c'est est-ce qu'il n'y a que le stress qui peut endommager... Voilà, est-ce qu'il n'y a que le stress et ensuite, comment faire pour détecter... Enfin, est-ce qu'il y a des... comment on peut savoir des marqueurs Voilà, par exemple, enfin... Alors, les moyens de prévention, est-ce qu'il y a des examens qu'on peut faire pouvant attester, pouvant nous dire oui, vous êtes sujet à vous risque de, vous avez un début de... Enfin. Alors, il y a, voilà, bon, là c'est comme pour la maladie de Parkinson, il y a tout ce qui est génétique, tous les maladies mitochondriales, c'est un groupe de maladies à part entière, c'est-à-dire que les gens qui sont mutés pour des protéines mitochondriales vont avoir, je schématise, mais des mitochondries altérées et donc un stress mitochondrial qui va entraîner des pathologies, souvent neurodégénératives, puisque les altérations mitochondriales touchent de premier abord les neurones. Après, des stress exogènes, oui, si vous, par exemple, si vous êtes trop exposé à des stress type... l'hypoxie. Les conversions qui ont des objectifs en permanence, tout ça, donc c'est pour être, entre parenthèses, plus exposé que d'autres, en fait. Oui, non, pardon, c'est pas le stress... Ah oui, vous parlez de commerciaux exposés à un stress, la pression. Pardon. Oui, voilà, tout à fait. Non, je ne pense pas que le stress, au sens la pression dans le monde du travail, d'accord, ou la pression familiale, puisse endommager les mitochondries. Ah oui, quand Mais on parle quoi de stress... alors, voilà, c'est ça,
C'est quoi exactement? Parce que jusque-là, moi, je pensais que c'était le stress du travail. Non, c'est pas le stress de la vie courante. Ah, quand on parle de stress pour les neurones, c'est par exemple, si vous avez, je vous le souhaite pas du tout, mais si vous avez un AVC ou quelque chose qui, une hypoxie cérébrale, ce type-là, une hypoxie, va aller endommager les neurones. Parce que hypoxie égale production de plein de toxines, ce qu'on appelle les espèces réactives de l'oxygène, qui vont aller directement cibler et endommager la mitochondrie. Mais c'est... Hypoxie, ça veut dire quoi ? Hypoxie, pardon, oui, c'est le manque d'oxygène. Ah, d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, un vaisseau se bouche dans votre cerveau, donc votre cerveau n'a plus d'afflux sanguin, et donc le sang, ça apporte l'oxygène, les nutriments, et donc vos cellules du cerveau n'auront plus d'oxygène, plus de nutriments. Donc, le défaut d'oxygène, c'est l'hypoxie, et le défaut d'oxygène plus nutriments, c'est, l'ischémie. Alors, on a différents types on appelle ça des drogues dans les laboratoires. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être un peu compliqué, mais on peut aller cibler directement les mitochondries avec différents agents, différentes drogues, pour les endommager. Sur l'animal directement ou vous isolez les cellules ? Alors non, moi je travaille sur des cellules en culture, on appelle ça des cultures primaires de neurones. Donc c'est un type spécifique de neurones, c'est ce qu'on appelle les neurones corticaux, et je les fais pousser dans des boîtes en plastique que je mets à l'incubateur, c'est ce qu'on appelle de la culture in vitro, et donc c'est vraiment des neurones isolés que je peux voir sous les objectifs d'un microscope. Je ne travaille pas sur l'animal directement, même si ces cellules-là, les neurones proviennent d'animaux. Oui, quand un neurone meurt, est-ce que d'autres neurones à côté peuvent pallier le manque de neurones en se dupliquant ? Alors, c'est tout le problème des neurones, c'est-à-dire que les neurones, c'est ce qu'on appelle des cellules post-mitotiques, donc c'est un mot un peu compliqué, mais ça veut juste dire que les neurones ne se divisent pas. C'est-à-dire qu'un neurone, quand il meurt, il existe des cellules souches, c'est-à-dire qu'ils peuvent se différencier en neurones pour remplacer les neurones qui meurent, mais il faut savoir qu'avec l'âge, ce stock, ce pool de cellules souches, s'amoindrit, donc plus on est jeune, plus on a des cellules souches, mais plus on vieillit, moins on en a. Donc on va dire qu'à l'âge adulte, les neurones sont très très peu remplacés. Merci. Juste une question, comment il est possible de garder avec vivant ces neurones alors que les animaux sont morts ? Alors justement, parce qu'en fait, quand je récupère mes neurones, c'est au stade embryonnaire chez l'animal. Et donc, les neurones au stade embryonnaire ont la capacité, quand on les met ensuite sur du plastique, globalement, enfin, dans des boîtes in vitro, ils ont la capacité de maturer. C'est-à-dire qu'ils vont, on les prélève sur un embryon, on les met dans une boîte en plastique et ils vont pouvoir pousser sur une période de 12 jours. On ne les garde pas non plus indéfiniment. Oui, on leur donne bien sûr, donc sur mes neurones, je mets du milieu avec tout ce qu'il faut pour qu'ils grandissent bien, c'est-à-dire des nutriments, tout ce qu'il leur faut. La mort des neurones, si j'ai bien compris, on ne peut pas les remplacer, ne sont pas remplaçables, c'est ça ? Mais quand on parle de plasticité du cerveau, alors ? C'est pas tout à fait la même chose. La plasticité, ça veut pas dire qu'un neurone est remplacé par un autre. La plasticité, c'est plus une histoire de réseau et de connexion. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de connaissances, vous avez, par apprentissage, appris des choses, des réseaux se sont faits. Si demain, vous changez de métier ou que vous pratiquez d'autres passions, la plasticité, c'est ça, c'est d'autres réseaux qui se mettent en place pour apprendre de nouvelles choses ou pour consolider de nouvelles choses.
La plasticité, ce n'est pas le renouvellement des neurones qui dégénèrent par d'autres. C'est plus une histoire de les réseaux se font, se défont et se consolident. Les réseaux, le neurone, ça a une architecture assez particulière. Je ne sais pas si je peux vous le remontrer. Ça marche une fois sur deux. Bon, je ne peux pas. Un neurone, c'est un corps cellulaire avec de nombreux prolongements. Et au bout, vous avez ce qu'on peut appeler les synapses, c'est les courants électriques. Un neurone transmet l'information par des courants électriques qui vont se propager dans les prolongements et qui vont passer via une synapse d'un neurone à un autre. Et c'est ça qu'on appelle les réseaux d'information. Et donc la plasticité, c'est ces synapses qui se font, défont et qui se... Oui, alors précisément, ma question, ce serait ça. Est-ce que par exemple, de chercher un nouveau circuit, en quelque sorte, pourrait remplacer une fonction défectueuse dans le corps après ? Après, le problème, c'est que quand... La réparation, si vous voulez, en quelque sorte. Ça peut-être dans un tout premier temps, mais à long terme, ce n'est pas possible que par la je pense pas que par la plasticité, toute une partie du cerveau qui dégénère, comme c'est le cas dans Alzheimer ou dans Parkinson, puisse être compensée par, par une plasticité cérébrale. Merci. Si plus personne n'a de questions, on va pouvoir continuer. Déjà, merci beaucoup. Du coup, merci beaucoup Manon Moulis pour sa présentation. On va passer à la présentation suivante qui va être présentée par Nicolas Vanson et qui s'appelle « Une seule oreille saine est suffisant à la compréhension en milieu social ». Bonjour à toutes et à tous, je vais juste attendre 15 secondes. Oh, ça marche, c'est cool. Je suis doctorant au CERCO en dernière année, je finis dans quelques semaines maintenant, et je suis venu aujourd'hui vous poser une question. À votre avis, est-ce qu'une seule oreille vous permet de comprendre dans un milieu bruyant ? À votre avis ? Oui ? Non ? Non ? On va faire un petit sondage juste pour commencer. Qui pense oui, levez la main. Ok. Et qui pense non ? Je pense que le non l'emporte légèrement. Mais bon. Alors, pour commencer, je vais vous demander de vous imaginer dans un bar. Et c'est un environnement qui est excessivement bruyant. Et pour comprendre dans ce bruit, vous avez besoin d'un cerveau et de deux oreilles. En fait, votre cerveau va se représenter cet environnement. Un peu comme un monde ici. Et pour se représenter cet environnement, il va avoir besoin de deux indices acoustiques, l'ITD et l'ILD. Ne vous inquiétez pas, je vais vous les décrire. Alors, l'ILD ou l'ITD, ce sont ce qu'on appelle l'intervalle, c'est un temps d'arrivée entre les deux, c'est une différence d'intensité entre les deux oreilles. Alors, ça marche comment ? C'est, vous avez votre tête, vous avez une source sonore de ce côté-ci, le son va arriver d'abord à une oreille plus forte qu'à l'autre, et vous allez avoir un décalage d'intensité qui va vous créer un premier indice. Et le deuxième, ce qu'on appelle la différence de temps d'arrivée, c'est-à-dire toujours la même chose, vous prenez votre tête, la source va arriver, vous allez d'abord l'apercevoir d'un côté, puis de l'autre, ce qui va vous créer un décalage de temps d'arrivée.
Donc ces indices sont excessivement indispensables pour comprendre les événements dans le, sur un plan horizontal. C'est ce qu'on fait en permanence. Mais dans certains cas, par exemple, si on se base que sur ces deux indices, on est incapable de comprendre, de savoir si une source vient de, est située devant nous ou derrière nous. C'est pour ça qu'on se base sur des indices dits spectraux qui vont nous permettre, c'est un peu technique, je sais, qui vont nous permettre de savoir si la source est devant ou derrière. Alors, c'est bien joli, on utilise ces indices pour comprendre, mais néanmoins, certains d'entre nous souffrent de ce qu'on appelle une surdité unilatérale. Alors, une surdité unilatérale, c'est quoi ? C'est des gens qui ont une oreille saine, ou une oreille fonctionnelle, et une oreille sourde. Alors, la surdité peut être soit très légère, soit totale, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'entendre un avion qui décolle avec votre oreille sourde. Alors, si vous voulez, on peut se représenter la surdité unilatérale de cette façon. Vous prenez votre main et vous la mettez sur votre oreille comme ceci. Allez-y, vous pouvez le faire. Vous allez voir. Voilà. Est-ce que vous imaginez vivre en permanence comme ceci ? Voilà. Et bien pourtant, c'est ce que des gens au quotidien vivent. Et malheureusement, en France aujourd'hui, des gens qui ont une surdité unilatérale très sévère ou totale ne sont pas pris en charge. Parce que les grands chercheurs ou les grands médecins pensent qu'on arrive à compenser. Alors, une surdité unilatérale engendre quoi ? En fait, si on fait un petit schéma de notre monde ici, on voit que la surdité unilatérale engendre une déformation de la perception de ces deux indices acoustiques. Bon, c'est tout à fait schématique. Hein. L'idée, c'est de savoir si cette déformation est très importante ou peu importante. Alors, la surdité unilatérale entraîne des problèmes de localisation des sons dans l'espace, de compréhension de la parole dans le bruit. Mais plus récemment, chez l'enfant, on s'est rendu compte que une oreille l'empêchait de poursuivre ses études. 30% des enfants, c'est des études américaines, qui ont une surdité unilatérale, redoublent une classe, voire deux dans certains cas. Ou même certains ne vont même pas jusqu'au bac à cause de leur surdité. Chez l'adulte, on voit que des gens s'isolent, ont tendance à s'isoler socialement. Et qu'est-ce qui se passe ? On a une réorganisation qui se met en place. Alors, ce genre de plasticité, ça consiste en quoi ? Vous avez des aires corticales qui d'habitude ne sont pas activées, vont s'activer pour essayer de compenser un peu une surdité. Alors, l'objectif de ma thèse consiste à mesurer ce déficit, mais essentiellement à savoir s'il y a un lien entre réorganisation et compréhension de la parole dans le bruit. Ce que je vous ai montré la slide avant, la surdité a été étudiée de trois façons différentes, mais aucune n'a fait vraiment le lien. Et l'idée de savoir si une réorganisation entraîne un déficit ou non va permettre à in fine, de choisir une réadaptation auditive adéquate. Alors, afin de répondre à cette question, je vais en poser deux petites. Est-ce que la qualité de vie est-elle liée à la compréhension de la parole dans le bruit ? Donc la qualité de vie, c'est votre bonheur, vos activités sociales, par exemple. Et la deuxième, est-ce qu'un niveau de réorganisation affecte-t-il un niveau de compréhension de la parole dans le bruit. Alors, pour répondre à la première question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé une ambiance, un bar, dans le, un bar, dans lequel j'ai demandé à des gens qui entendaient bien de répéter des phrases dans le bruit, et à des gens qui avaient une surdité, différents degrés de surdité, de répéter ces phrases. Ensuite, j'ai demandé à ces gens de répondre à un questionnaire, de savoir si vraiment ils avaient la sensation de bien entendre ou pas. Alors voici un premier résultat. Donc, vous avez ici les scores au questionnaire, de 0 à 10 sans unité, et les scores de compréhension de la parole dans le bruit. Donc quand vous êtes à moins 15, c'est quelqu'un qui a deux oreilles, qui entend très bien. Quand vous êtes à 10 ou plus 15, vous n'êtes pas capable de comprendre la parole dans le bruit.
vous êtes capable de comprendre uniquement dans le silence. Donc ce qu'on voit, c'est qu'un normand entendant, quelqu'un qui a deux bonnes oreilles, estime bien entendre avoir une bonne qualité de vie, et quelqu'un qui a une mauvaise audition a une mauvaise qualité de vie. On a donc une corrélation négative significative, ce qui signifie que plus la compréhension dans le bruit est altérée, plus la qualité de vie baisse. Donc c'est un premier résultat qui démontre que les gens qui ont une surdité unilatérale doivent être pris en charge. Deuxième question. C'est-à-dire, voilà, on a utilisé ce qu'on appelle, de l'IRM fonctionnel. C'est-à-dire qu'on est allé regarder dans le cerveau une zone qui s'activait quand on envoyait un son à une personne. Ah, ici, c'est quelqu'un qui a deux oreilles saines. Quand j'envoie un son à droite et à gauche, on a ici une zone plutôt symétrique qui s'active des deux côtés. Quand j'envoie un son à gauche, ici, j'ai une activation à droite qui est plus forte. Et quand j'envoie un son à droite, ici, j'ai une activation à gauche qui est plus forte. Maintenant, que se passe-t-il dans le cas d'une personne qui a une surdité unilatérale totale? J'ai pris le cas extrême, c'est plus facile pour illustrer mes propos. Voilà. Donc quand je stimule à droite et à gauche, on a une activité binaurale qui ressemble à peu près à celle d'un normand entendant. Quand je stimule à gauche, du côté sourd, on n'a rien parce que le sujet n'entend rien. Et quand je stimule à droite, on a une activité bilatérale qui est similaire à l'activité droite plus gauche. Donc, cette personne-là, l'activité auditive chez cette personne-là, c'est réorganisée. On a une activité supérieure. Donc la question suivante est de savoir, est-ce que cette plasticité cérébrale est-elle à comprendre ou pas? Voilà. Alors, voici un deuxième résultat. Donc ici, on a toujours notre graphe compréhension de la parole dans le bruit. Je comprends, je ne comprends pas. Et ici, on a un niveau de réorganisation en unité arbitraire. Donc quand on est quelqu'un qui entend bien, qui a de bonnes oreilles, on se situe ici. On remarque que plus le cerveau se réorganise, moins le sujet est capable de comprendre la parole dans le bruit. Ce qui signifie que la réorganisation corticale secondaire à une surdité unilatérale s'accompagne d'une baisse significative de la compréhension de la parole dans le bruit. Donc, si on revient à la question de tout à l'heure, est-ce qu'une seule oreille permet-elle de comprendre la parole dans le bruit? Premier résultat a démontré qu'au niveau de la... que les personnes ne comprenaient pas et avaient une qualité de vie dégradée. Oh mince, l'émotion ne passe pas. Et la deuxième, c'est que la réorganisation du cerveau entraîne une baisse de compréhension de la parole dans le bruit. Si on prend ces deux résultats, la réponse à la question est non. Ce qui m'amène à dire que ces gens-là, maintenant, doivent être pris en charge. Et il existe certaines prises en charge, comme un implant cochléaire, qui est une stimulation électrique de ce côté-là, un certain type de prothèse ou des implants au crâne osseux. Mais pour finir, n'oubliez pas que pour bien comprendre, vous devez avoir un cerveau fonctionnel et deux bonnes oreilles. Je vous remercie. Juste une petite précision avant de passer aux questions. Pensez à attendre d'avoir le micro afin que tout le monde puisse profiter des questions. Et voilà, merci. Bonjour, j'ai une amie qui a perdu une oreille quand elle était petite à la suite d'un vaccin qui a apparemment abîmé son nerf auditif. Est-ce que dans ce cas-là, une solution est possible? Parce que là, elle est complètement maintenant enfermée dans son monde. Alors, je vous ai parlé de l'implant. C'est une stimulation au niveau de l'oreille interne avec un nerf fonctionnel. Mais il existe des implants du tronc cérébral qui ne vont pas stimuler directement le nerf auditif, mais juste le premier relais après le nerf auditif. C'est une solution qui existe, mais malheureusement, aujourd'hui en France,
la loi ne nous permet pas d'apporter des solutions dans ce cas-là. C'est pour ça que ma thèse et celles qui vont suivre vont permettre justement de modifier cette loi. Bonjour, je voudrais savoir si l'implant cochléaire, donc je sais qu'on utilise l'implant cochléaire sur de jeunes enfants, enfin qui sont appareillés, est-ce que les protocoles sont identiques? Est-ce qu'on peut appareiller des adultes avec la même facilité qu'on appareille des enfants? On appareille plus facilement un adulte qu'un enfant. D'accord. Et à l'heure actuelle, on essaye d'implanter un enfant avant ses 2 ans, oui. Parce qu'il y a encore tout un système synaptique qui se met en place. Et si on l'implante avant ses 2 ans, il sera capable d'avoir un état cognitif similaire à un enfant qui a 2 bonnes oreilles. Par contre, si on l'implante après ses 2 ans, ça devient très très compliqué. Mais c'est possible. J'ai une deuxième question. N'étant pas du corps médical, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a un lien entre les problèmes d'audition, c'est-à-dire une personne qui n'entend pas d'une oreille, est-ce que ça a un impact aussi sur son équilibre? Il y a certaines études qui démontrent effectivement qu'il y aurait une corrélation, mais ça dépend plutôt de chaque personne. Ça dépend de quelle étiologie. Du type de traumatisme. Exactement. D'accord. Okay, très bien. Merci. Bonjour. Moi, je me demandais par rapport à votre présentation, la compensation des deux côtés. Du coup, est-ce que la personne a l'impression d'entendre des deux oreilles ou est-ce que cette compensation, elle sert à quelque chose? Alors, l'image fonctionnelle que je vous ai montrée, c'est cette dame se plaint en permanence de compréhension et elle est en train de se faire appareiller pour essayer de lui apporter quelque chose. Mais elle n'entend rien du tout et elle se plaint énormément. Et donc, en fait, la compensation fonctionnelle, du coup, ça... Ça ne lui sert à rien. D'accord. Okay. C'est délétère. Excusez-moi, j'avais une question un peu bête peut-être. À partir du moment où on utilise un appareil auditif, oui. Étant donné que on stimule, j'imagine je sais pas quoi d'ailleurs, ça permet d'entendre. Donc cette stimulation-là, est-ce que ça peut permettre donc Alors vous voulez dire, est-ce que la stimulation permet de revenir à un état initial. Voilà. Pas forcément à l'état initial, mais un minimum, comme on le fera avec une rééducation suite à un accident, à force de... Enfin, je ne sais pas. Alors, les études aujourd'hui démontrent effectivement qu'en termes de compréhension de la parole dans le bruit ou dans la localisation, on récupère. Quand on regarde les études en IRM fonctionnelle, on ne sait pas ce qui se passe. Il semblerait qu'éventuellement, on aurait une modification de la cartographie auditive. Mais il n'y a pas d'études à l'heure actuelle là-dessus. Je voulais demander, cette réorganisation du cerveau fonctionnel, quel est le but qu'a le cerveau quand il se réorganise? Parce qu'il n'y a pas que des inconvénients, forcément c'est pour... alors que là, on dirait que... Là, dans ce cas-là, c'est une très bonne question. C'est ce qui se passe, c'est qu'on a une modification du fonctionnement. Parce que quand j'envoie un son à droite, je vais activer le cortex gauche et je vais inhiber le cortex droit. D'accord ? Mais le problème dans une surdité, c'est qu'on perd cette inhibition. C'est du fait du manque de l'input sensoriel. Alors, pour répondre à votre question, je connais juste les mécanismes, mais pourquoi ça marche comme ça, il y aura des avantages peut-être, mais j'en vois pas beaucoup. Si le corps est intelligent, se réorganise. Pardon ? Je dis, le corps est intelligent, donc s'il fait cette compensation, entre guillemets, c'est... Enfin, je sais. Après, ce qu'on observe, c'est dans le cas d'une surdité, quand le cortex auditif ne s'active plus pour les informations sensorielles d'audition, mais plus pour les informations visuelles. Et ça n'aide pas forcément les gens à mieux comprendre. C'est juste que vous imaginez des sens qui sont collés les uns aux autres. Dès qu'il y en a un qui est un peu plus maigre que l'autre, le plus gros va aller pousser un peu du côté du plus maigre. Quoi. Et ça n'a pas. Et plusieurs articles ont démontré que ça n'aidait pas forcément les aveugles à mieux comprendre, à mieux percevoir les sons. Et pardon, le cerveau il se réorganise
juste après la surdité ou ça s'adapte progressivement ? Alors, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. D'abord, directement après la surdité, donc on n'a plus cette inhibition, le fait de dire j'active un côté et je bloque l'autre, ça se fait directement. Par contre, tout ce qui est modification structurelle, il faut attendre entre 6 mois à 1 an avant qu'elle se mette en place. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure d'un moyen de détection du son pour savoir s'il était plus haut que nous ou plus bas que nous, et c'était pour savoir comment ça fonctionnait en fait. Ah, je vais revenir. Alors ce qui se passe, c'est que vous avez votre pavillon qui n'est pas lisse, d'accord ? Qui fait des espèces de creux. Et l'idée, c'est que quand une source sonore va venir toucher votre tympan, ça va se réfléchir. Et la manière dont ça se réfléchit, ça va créer un gain, 1 ou 2 dB, au niveau du tympan, qui va permettre au locuteur de savoir si la source est à plus 45 ou à moins 45 degrés. Et tout en haut, il y a moyen d'aller plus haut que 45 degrés. Tout en haut, on peut. Oui, il y a des études qui se font avec un haut-parleur, si tu es à ce niveau-là. Et on a des réflexions qui se font, notamment en utilisant le bas de la conque, comme ceci. D'accord, merci. Je vous en prie. J'ai une question un petit peu technique qui est en rapport avec ce que vous venez d'expliquer sur les creux et les bosses de l'oreille. Oui. Autour de moi, j'ai pas mal de jeunes qui ont, c'est la mode, qui mettent des piercings et pas mal de bijoux sur les différentes parties de l'oreille. Est-ce que ça a un impact sur la qualité de l'audition ou sur la façon dont le son justement va rebondir sur ces zones de l'oreille ? Alors, je dirais honnêtement, je n'en sais rien, mais je pense qu'il y a peut-être une petit quelque chose. Ça influe, peut-être. Un peu. Mais bon, on n'a pas d'études. Il n'y a pas d'études là-dessus. Par contre, il y a une étude qui a été faite chez des gens, chez des normands entendants, où ils mettaient de la pâte à modeler pour lisser le tympan, aussi lisser le pavillon. Tout droit, ils envoyaient des sons à différents azimuts et ces gens-là n'étaient plus capables de savoir d'où venait le son. Mais il faut vraiment bien les masquer, quoi. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir concernant l'utilisation des écouteurs, et s'il y a une incidence dans l'audition. Bon, j'ai entendu parfois que c'est négatif. Et une autre question qui s'en déduit un peu presque aussi. Quand on a les écouteurs, je pense que là, il n'y a pas les deltas de temps que vous avez expliqué au début, puisqu'on reçoit en même temps les ondes aux deux oreilles. Alors, je voulais savoir, vous utilisez vos écouteurs pour écouter de la musique, non ? Oui. Donc, savoir d'où provient le son, ce n'est pas forcément intéressant. Oui. En fait, oui, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites, même. Une qui est assez importante, qui démontre que les jeunes de maintenant, quand ils commencent à porter des écouteurs à 16 ans, à 18 ans, ont déjà une surdité légère. À utilisation, même quand on l'utilise que 4 heures par jour. Hein. C'est déjà beau. Mais c'est ça. Et ça va de plus en plus. Donc, allez-y, continuez à utiliser vos. ça fera du boulot pour les autres, mais bon. C'est en tout cas, porter une prothèse auditive, c'est bien quand on en a besoin, mais quand on n'en a pas besoin, c'est une gêne. Si vous voulez, je peux vous l'expliquer juste après. Enfin, je répète. Je crois qu'il y avait madame qui avait une question. Bon, je peux juste faire les deux ? Ok, une question. Alors, l'acouphène, on ne sait pas exactement d'où ça vient parce qu'il y a plusieurs types d'acouphènes. Vous pouvez avoir un acouphène au niveau périphérique, c'est-à-dire au niveau de votre oreille interne. C'est-à-dire que votre oreille interne envoie des informations en aire auditive de manière incontrôlée. Vous
pouvez avoir aussi un acouphène au niveau de la voix auditive, c'est-à-dire que c'est des relais auditifs qui envoient des impulsions jusqu'au cerveau. Et après, il y a ce qu'on appelle les acouphènes de type central, c'est-à-dire que c'est le cortex auditif qui réagit à différentes impulsions électriques sans vraiment savoir d'où ça vient. C'est très étudié, parce que c'est une grosse gêne, mais on ne connaît pas encore l'origine. Merci. Je vous en prie. Oui, donc c'était juste pour finir. On entend parler des études suédoises qui recommandent l'utilisation de, comment ça s'appelle, des casques pour parler au téléphone, parce que soi-disant, ce n'est pas très bon de parler au téléphone sans casque. Mm-hmm. Ça pourrait provoquer soi-disant des cancers ou je ne sais pas trop quoi. Si on n'utilise pas les casques et qu'on parle comme ça au téléphone, c'est dangereux. Quand on utilise, et on peut avoir un problème de surdité. Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi ? Après, le fait de ne pas utiliser votre téléphone, c'est que vous limitez les ondes. Donc, vous décalez les ondes du téléphone en utilisant un casque. Après, avec le casque, je décale les ondes, c'est ça ? Ok. C'est pour ça que vous utilisez un casque plutôt qu'un téléphone. Mm-hmm. Après, c'est à chaque fois, c'est l'usage excessif. C'est quand vous augmentez le son de votre téléphone au niveau maximum, vous l'avez tout le temps à l'oreille, c'est ça qui peut vous créer une surdité. Quand vous écoutez la musique permanence très très fort, ça peut également vous créer une surdité. D'accord. Donc c'est plusieurs choses. C'est pas juste l'utilisation en instant T du téléphone qui peut vous créer une surdité. C'est l'accumulation de. Ok, d'accord. Exact. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Bon, merci encore à Nicolas Vanson pour cette présentation. Nous allons passer à la présentation suivante, qui sera présentée par Élodie Despuy, qui s'appelle « Nouvelles électrodes hybrides intracérébrales, aller au plus près de l'activité neuronale pour étudier l'épilepsie ». Donc, bonjour à tous. Alors, je me présente, donc, je m'appelle Élodie Despouille et aujourd'hui donc, nous allons voir ensemble un nouveau modèle d'électrode hybride intracérébrale qui va nous amener en fait, à observer à l'échelle microscopique le cerveau de patients épileptiques. Alors, j'ai débuté ma thèse au mois de janvier suite à l'obtention d'une bourse CIFRE et en fait c'est une thèse un peu particulière puisqu'elle rassemble plusieurs partenaires. Donc il y a d'une part le laboratoire de recherche du CERCO, donc une unité CNRS qui est située à Toulouse. Il y a également le centre hospitalier Purpan de Toulouse et aussi l'entreprise Dixie Medical, localisée à Besançon, qui fabrique des électrodes. Donc pourquoi une réunion entre ces trois partenaires ? C'est tout simplement dans un même but, celui d'améliorer la qualité de vie de patients épileptiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 30% des patients épileptiques sont résistants aux traitements médicamenteux. Ce qui veut dire que la seule solution pour arriver à stopper les crises, ça va être de localiser précisément la zone qui est à l'origine des crises pour pouvoir ensuite procéder à une exérèse. Donc pour localiser cette zone, il y a plusieurs moyens. Donc tout d'abord, on propose aux patients un bilan de phase 1 avec toute une batterie d'examens cliniques. Donc par exemple un EEG de surface, un IRM, des bilans neuropsychologiques. Et si à l'issue de ce bilan, la zone n'a pas été clairement définie, on peut leur proposer un bilan de phase 2 avec une SEEG. Et la SEEG, c'est quoi ? Ça s'appelle stéréo-électroencéphalographie. Et en fait, ça consiste à implanter des électrodes de ce type directement dans les structures cérébrales profondes pour aller enregistrer l'activité cérébrale de manière très précise. Donc là, c'est un exemple d'une électrode classique qui est implantée, donc avec en noir les différents plots d'enregistrement. Et voici ici un exemple du schéma d'implantation d'un patient. Et donc en général, il y a environ 14 électrodes qui vont être implantées chez les patients, et chaque électrode comprenant une dizaine de plots. Ce qui fait qu'en fait, on va enregistrer dans plus de 100 sites différents de manière simultanée. Et donc pour mieux se rendre compte, voici une radio suite à l'explantation d'un patient. Donc on voit vraiment que les électrodes sont implantées dans les structures profondes, et qu'on explore vraiment, qu'on peut vraiment explorer l'activité cérébrale dans les différentes structures. Donc suite à l'implantation, les patients ils restent à l'hôpital entre 2 et 3 semaines, et leur activité va être enregistrée en permanence.
Donc voici un exemple de l'activité cérébrale que l'on peut enregistrer. Donc moi, je m'intéresse plus particulièrement aux oscillations. Donc on peut en voir certaines sur ce tracé ici, mais c'est plus facile de les visualiser en filtrant. Donc par exemple, si je fais un filtre à 80 Hz, ça veut dire que j'élimine les activités qui sont plus lentes, et je peux mettre en évidence des ripples qui sont des oscillations en haute fréquence. Mais moi, je suis intéressée par des oscillations qui sont encore plus rapides et qu'on appelle les fast ripples. Et ce qui est intéressant avec ces oscillations, c'est que ce sont des oscillations pathologiques. Et elles pourraient être de nouveaux biomarqueurs de la zone épileptogène, donc elles pourraient nous aider au diagnostic pour mieux délimiter cette zone. Donc actuellement, dans la littérature, il est dit que ces oscillations sont plus facilement détectables à l'aide de microélectrodes. Mais dans la pratique clinique courante, nous n'utilisons pour l'instant que des macroélectrodes. Donc ça, c'est l'électrode du coup que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on peut zoomer pour voir là deux plots d'enregistrement. Et ce qu'a fait l'entreprise Dixie Medical, c'est qu'elle a fabriqué de nouvelles électrodes qui combinent à la fois des micro et des macro plots. Donc par exemple, regardez ce qui va se passer entre les deux premiers macro plots. En fait, on va avoir une molette qui va permettre de venir faire sortir des microélectrodes. Donc là, il y a trois tétrodes qui sont sorties, chacune étant composée de quatre microélectrodes. Ce qui veut dire qu'au total, sur chaque électrode, on aura accès à 12 micro-enregistrements. Donc pour vraiment arriver à enregistrer une activité très locale et très précise. Alors ma thèse se passe plus particulièrement dans le cadre du projet EPIPHAR, et le but, c'est d'évaluer l'intérêt clinique de ces électrodes pour la détection de fast ripple chez les patients épileptiques pharmacorésistants. Donc pour l'instant, le but, c'est à chaque implantation de remplacer 4 macro-électrodes classiques par des électrodes hybrides. Et on procède également à une heure d'enregistrement par jour pendant 5 jours. Et pour que les patients soient dans un même état cognitif au cours des jours et qu'on puisse faire des comparaisons, on va leur proposer de regarder une série, en l'occurrence Friends. Pour l'instant, donc, le projet a démarré. Nous avons 8 patients qui ont accepté de participer à l'étude. Donc je vais pouvoir vous montrer les premiers résultats que nous avons obtenus. Donc déjà, le point positif, c'est que ces nouvelles électrodes fonctionnent. Et si on se place à l'échelle de centaines de neurones, on va pouvoir donc avoir accès à de larges activités. Donc par exemple ici, si on regarde l'activité cérébrale donc au cours du temps dans différentes régions, donc ça c'est enregistré par des macroélectrodes, on peut voir apparaître ici le début d'une crise d'épilepsie. Et qu'est-ce qu'on voit sur les microélectrodes? On voit exactement la même chose, donc la crise qui débute au même moment. Donc, ce qui veut dire que déjà, avec ce nouveau dispositif, nous n'avons pas de perte d'information. Et si maintenant on se place à l'échelle de quelques dizaines de neurones, on va avoir accès à des informations supplémentaires grâce aux microélectrodes. Par exemple, ici, sur les enregistrements des macroélectrodes, on ne voit rien de particulier, alors que simultanément, sur les micros adjacentes, il y a une pointe caractéristique de l'activité épileptique. Et toujours dans l'idée de se placer à l'échelle de dizaines de neurones, on peut s'intéresser donc aux oscillations à haute fréquence. Donc là, c'est une pointe épileptique qu'on observe à la fois sur les macroélectrodes et les microélectrodes. Simplement, sur les micros, on a l'impression de voir des petites oscillations à ce niveau-là. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus facile de mettre en évidence les fast ripples en filtrant. Et donc si on filtre, voilà ce qu'on observe, le fast ripple qui n'apparaît que pour les microélectrodes. Donc là, j'ai pris un exemple avec un fast ripple qui apparaît en même temps qu'une pointe épileptique, mais on en a aussi qui apparaissent hors des pointes, et c'est ça qui est aussi plus intéressant, parce que justement, c'est une information qu'on n'a pas du tout avec les électrodes qui sont utilisées classiquement. Et on peut encore aller au plus près du cerveau en s'intéressant à un seul neurone. Donc là, par exemple, c'est l'exemple d'une patiente chez qui on a trouvé plusieurs neurones dans 3 structures différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des neurones du coup, qui vont avoir des activités différentes. Par exemple, celui-là va décharger 1000 fois en 10 minutes, celui-là une centaine de fois, et celui-là 2000 fois. Donc on a vraiment accès en fait, aux briques de l'activité cérébrale, et ça va permettre de mieux comprendre la genèse de l'épilepsie. Alors en ce moment, nous sommes en train de faire une première étude sur un cas unique. Donc je vais essayer d'expliquer rapidement. Donc, c'est une patiente qui est atteinte d'une sclérose tubéreuse de Bourneville. En fait, c'est une pathologie qui va entraîner le développement de tumeurs dans les organes, et plus particulièrement dans le cerveau. Et avec ces tumeurs vont être associées des lésions intracorticales, qui sont appelées tubères. Et les tubères peuvent être justement à l'origine d'une épilepsie. Donc chez cette patiente, on peut voir ici en rouge délimiter le tubère
qu'on pense être à l'origine de l'épilepsie. Et en jaune, la zone péritubéreuse, donc qui est juste à proximité de ce tubère. Parce qu'actuellement, dans la littérature, il y a un débat concernant l'implication de ces deux structures dans l'épilepsie. Alors, chez cette patiente, 4 microélectrodes avaient été implantées. Donc, il y en avait une dans le tubère, une dans la zone péritubéreuse, mais également deux dans une zone saine. Donc, si on s'intéresse, par exemple, aux pointes épileptiques, donc, qui sont caractéristiques de cette pathologie, on voit que sur les macroélectrodes, on en voyait dans les premiers jours, mais qu'après, on n'en avait plus. Sur les microélectrodes, c'est un peu le même constat, sauf qu'on en enregistrait un peu moins. Mais si par contre, on s'intéresse aux oscillations à haute fréquence et donc aux fast ripple, on voit qu'on en enregistre jamais sur les macroélectrodes, mais sur les microélectrodes, on en enregistre au cours des jours. Donc, ce qui veut dire en fait que si on s'était arrêté à une analyse sur les macroélectrodes simplement, on n'aurait pas vu qu'il y avait cette activité épileptique dans le tissu, dans le tubère en particulier. Parce que c'est la première fois du coup, qu'on a une microélectrode qui est implantée dans cette structure. Et ça a permis du coup, de mettre en évidence qu'il y avait une activité épileptogène. Donc en conclusion, ces nouvelles électrodes, pour l'instant, nous permettent d'avoir accès à de nouvelles informations. Et on pourrait imaginer dans le futur que ça pourrait être intéressant pour des patients qui ne font pas de crise. Parce que justement, quand ils sont implantés pendant 2 ou 3 semaines, la durée va dépendre de justement du moment où ils vont faire des crises. Et si on pouvait simplement délimiter la zone en recherchant les oscillations à haute fréquence, ça serait quand même beaucoup plus facile et on pourrait limiter beaucoup le temps d'exploration. Et dans ma thèse, ma problématique consiste aussi à essayer d'optimiser les électrodes. Et ça passe aussi par du coup, une visualisation précise de l'électrode en elle-même, et je voulais juste vous montrer une photo prise au microscope électronique à transmission où on voit justement une tétrode qui sort entre les deux premiers macroplots. Et là, on se rend bien compte de la différence d'échelle qu'il y a finalement entre cette microélectrode et le macroplot qui est ici. Donc, ben, merci de votre attention. Oui, est-ce qu'il n'y a pas de danger d'endommager la zone avec les électrodes quand on les implante dans le cerveau ? Alors oui, il y a quand même une zone qui se crée, une zone lésionnelle tout autour, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est des patients qui n'ont pas d'autre choix et où le rapport bénéfice-risque a bien été évalué. Parce que si on, en fait, c'est des patients, ils vont faire des crises à répétition et c'est vraiment paralysant en fait. C'est vraiment handicapant au quotidien. Et donc, il faut vraiment arriver à déterminer cette zone pour pouvoir les soulager en fait. Et du coup, la phase 1 permet de voir un peu où implanter, ou est-ce qu'on implante un peu partout dans le cerveau ? Est-ce qu'on délimite une zone particulière avant de... Non, en général, après le bilan de phase 1, il y a déjà une idée assez précise de cette zone, mais des fois, l'interrogation se porte plutôt sur est-ce qu'il y a un seul foyer ? Est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs ? Et donc c'est pour ça qu'on essaye de viser pour voir si vraiment il y a une activité épileptique, par exemple, des deux côtés. Parce qu'il y a des épilepsies aussi qui sont bitemporales, en fait, qui impliquent des structures des deux hémisphères. Et donc c'est vraiment pour vérifier toutes ces hypothèses, parce qu'on ne peut pas enlever une zone cérébrale, enfin des deux côtés en fait, sinon il n'y a pas de moyen de compensation, et ça serait encore plus handicapant finalement que ce qu'ils vivent au quotidien. D'accord, merci. Bonjour, je voulais savoir, à ce jour, les 30% de patients qui ne réagissent pas aux médicaments, quels soins relèvent-ils ? De quels soins peuvent-ils bénéficier ? Mais le problème, c'est que souvent, il ne reste plus que la chirurgie après pour arriver justement à les soigner. Parce que, en fait, le traitement, ce n'est pas qu'il ne marche pas du tout. Il marche un peu, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Et même en prenant, ils font quand même beaucoup, vraiment beaucoup de crises. C'est pour ça qu'il y a pas mal de SEG qui sont mis en place maintenant pour les opérer. Bonjour. Juste la mise en place des électrodes, c'est fait comme ça ou c'est sous anesthésie ? Non, c'est quand même sous anesthésie, oui. Et parce qu'après, ils les gardent quelques semaines, mais oui. C'est pareil, ils sont...
éveillés du coup ou... Oui, oui, en fait, donc, lors de l'anesthésie, donc, les électrodes sont introduites au bloc, les trajectoires ont déjà été planifiées, tout ça. Et après, en fait, il y a vraiment un pansement qui est assez imposant pour empêcher justement le contact avec l'extérieur et aussi que le patient se blesse si jamais il fait des crises, parce que c'est arrivé qu'il y en a qui essayent de s'enlever les électrodes. D'accord. Donc, du coup, oui, il y a quand même un gros pansement par-dessus. Et est-ce que du coup c'est applicable aux enfants ou pas encore? Parce que du coup l'épilepsie c'est découvert assez tôt généralement. Et Oui, alors après ça dépend des patients, mais oui, c'est ça, ce procédé aussi appliqué chez l'enfant, mais principalement à Marseille. D'accord. Pas encore à Toulouse, mais oui. Merci. Bonjour, est-ce que vous avez des informations sur l'impact de la méditation dans ces pathologies? Absolument pas, je suis désolée. D'accord. Alors ça peut peut-être répondre en partie à la réponse de la dame devant. La méditation est beaucoup utilisée pour prévenir et éliminer justement une partie des crises d'épilepsie. D'accord. Voilà. Bonjour, vous avez dit que les fast ripples étaient pathologiques. Est-ce que c'est caractéristique de l'épilepsie ou bien est-ce qu'on en trouverait chez des patients normaux? Alors non, justement, on n'en a pas trouvé chez les patients normaux et c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment des bons biomarqueurs de la zone épileptogène et c'est pour ça qu'on essaye de les utiliser en pratique clinique. Non, justement, l'intérêt, c'est qu'on en trouve aussi en dehors des crises et c'est pour ça que ça apporte un plus de les trouver comme ça. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si c'est cette technique ou cette. Mm-hmm. Je sais pas moi. Est-ce que ça peut être utilisé pour certaines pathologies, comme les personnes qui sont dépressives ou les bipolaires ou, parce que ce sont des personnes qui ont des crises aussi, un petit peu comme. Est-ce que vous pensez qu'on peut. Est-ce que c'est possible? Parce qu'on parle des électrochocs, on parle de. Oui. Mais est-ce que ça peut être exploité aussi dans ces pathologies-là? Alors la SEG c'est spécifique à l'épilepsie, mais après dans les cas de dépression et d'autres pathologies comme ça, il y a des électrodes qui sont implantées mais dans des structures précises où il y a des stimulations justement qui sont effectuées pour soulager les personnes. Mais il y a beaucoup moins d'électrodes que dans ce cas-là. Bonjour. Bonjour. Donc dans votre étude clinique, est-ce que vous testez sur des patients qui sont sains ? Pour justement déterminer si les fast ripple, ils sont réellement des biomarqueurs spécifiques de l'épilepsie ou Donc on n'a pas tellement le droit de tester ça sur des personnes saines. C'est vraiment, en fait, c'est limité vraiment à l'utilisation clinique. Mais les données qui permettent de nous dire que c'est pas retrouvé chez des personnes saines, en fait, c'est surtout des études qui avaient été faites chez l'animal où c'était vraiment ces oscillations qui n'avaient été retrouvées que chez les animaux qui étaient malades, en fait. D'accord. Ouais. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va pouvoir rester là. Merci beaucoup à Élodie Desprit pour cette présentation. On va passer au sujet suivant, qui sera présenté par Florence Rémy, qui s'appelle « La perception de notre environnement naturel est-elle modifiée avec l'âge ?» Alors bonjour à tous, donc moi je ne suis plus étudiante en thèse comme vous pouvez peut-être le voir, je suis maître de conférence à l'université Paul Sabatier. Je vais vous présenter quelques manips qu'on fait dans mes travaux de recherche. Donc moi je m'intéresse au vieillissement cérébral mais pas dans des cas pathologiques, plutôt à ce qu'on appelle nous le vieillissement sain, donc quand il n'y a aucune pathologie mais qu'on a lié au vieillissement, on a des modifications cérébrales, structurelles et fonctionnelles. Ici, je vais vous présenter le genre de manip qu'on fait pour voir les modifications fonctionnelles et en particulier concernant la perception visuelle de l'environnement qui nous entoure. Alors, ça semble une évidence, mais bien sûr, de nombreuses tâches quotidiennes vont reposer
et vont nécessiter une reconnaissance visuelle rapide et précise des objets et des scènes qui nous entourent. Ici, si je veux traverser la rue, par exemple. Ici, si je veux retrouver un objet particulier dans ma cuisine. Ici, si je cherche quelque chose dans un supermarché. D'accord ? Donc, la question qu'on pose, qui est une question qui est en fait très peu explorée, c'est au cours du vieillissement sain, est-ce que cette perception de notre environnement visuel est altérée ? Alors, ça peut être une altération qui est très peu sensible au quotidien pour les personnes âgées, mais qui est quand même modifiée avec le vieillissement. Alors, juste pour une petite précision, donc, quand on parle de vieillissement de la perception visuelle, on pense tout de suite à ce que nous appelons des altérations de bas niveau. C'est-à-dire que, et ça a été mesuré et bien précisé, on a donc avec le vieillissement une diminution de l'acuité visuelle, de la vision des contrastes, qui est totalement naturelle. Alors ici, dans nos expériences, ce n'est pas ce genre de modification qu'on recherche. Donc on teste nos sujets sur ces tests de base que vous connaissez peut-être, qui mesurent par exemple ici l'acuité visuelle, la vision des contrastes, vision des couleurs ou l'altération éventuellement du champ visuel, du champ qu'on peut percevoir. Mais ce ne sont pas les questions qui nous intéressent. Donc l'idée ici, c'est qu'on va toujours tester les sujets avec leurs lunettes. On vérifie que les lunettes sont toujours adaptées et que au niveau acuité, vision des contrastes, etc., il n'y a pas de souci. Et parce qu'en fait, nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle la vision de haut niveau, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on va regarder tout ce qui est reconnaissance d'objets et de scènes. Ça, c'est en fait en partie de la mémoire aussi. Je vais vous expliquer les régions cérébrales qui sont impliquées et quel est le parcours de l'influx nerveux. Mais cette reconnaissance d'objets et de scènes qui fait partie de la perception visuelle, c'est le stade un peu supérieur par rapport à tout ce qu'il pourrait y avoir comme altération visuelle liée au vieillissement. Alors justement, ici, pour voir un peu ce trajet de l'influx nerveux quand nous percevons notre environnement, ici, donc, l'objet dans cette scène visuelle est perçu, bien sûr, au niveau des cellules de la rétine qui sont activées et qui vont aller transmettre un influx nerveux via un noyau profond du cerveau qui s'appelle le thalamus jusqu'à une zone qui est tout à fait à l'arrière de notre cerveau, dans le lobe occipital, qui est le cortex visuel primaire. Donc c'est la première région cérébrale qui va être stimulée suite à la perception. Donc bien sûr, par exemple, dans les situations d'éveil, en fait, cette région visuelle est stimulée en permanence. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de la reconnaissance ? Donc là, je perçois l'environnement, ça active le cortex visuel primaire. Qu'est-ce qui va me permettre de reconnaître différentes scènes ou différents objets de mon environnement ? Alors là, il y a tout un parcours de l'influx nerveux, et en particulier, ce sont ces régions-ci, donc on appelle les régions occipito-temporales. On part de la région occipitale à l'arrière du cerveau, et on remonte, puisqu'en fait on va vers l'avant, vers le cortex temporal, qui est au niveau des tempes, donc des parties latérales du cerveau. Donc c'est cette région occipito-temporale qui est sollicitée, et la reconnaissance des objets se fait donc, dans une région qu'on appelle le temporal inférieur, à peu près ici. Quand cette zone est activée, c'est là qu'on a conscience et qu'on reconnaît l'objet que l'on perçoit. Alors, ce trajet ici occipito-temporal, c'est ce qu'on appelle la voie ventrale visuelle. Il y a également une voie dorsale dont je ne parlerai pas, qui nous permet de localiser les objets dans l'espace ou de percevoir les mouvements. Donc ça, j'en parlerai pas. Là, ça remonte au cortex pariétal. Je parlerai uniquement ici de cette voie ventrale qui va permettre la reconnaissance de l'objet. Alors, au CERCO, donc le labo où je travaille, on fait beaucoup d'IRM fonctionnel pour voir l'activation cérébrale. Nicolas en a un peu parlé. Donc ici, par exemple, typiquement, si je place un sujet dans une IRM
et puis que je lui montre différentes photographies, comme celle-ci, je vais avoir ce genre d'activité. Donc ici, on prend une coupe du cerveau à ce niveau-là. Ici, vous avez le cortex occipital, plus à l'arrière. Donc ici, c'est justement ces aires qui sont les premières activées quand on perçoit. Et puis ensuite, la reconnaissance se fait en remontant. Donc l'influx nerveux remonte jusqu'aux aires temporales et en particulier ici jusqu'aux aires temporales internes. Voilà, donc c'est dès que vous, donc quasi en permanence, vous activez toutes ces régions par la perception visuelle de l'environnement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on regarde nous en particulier au niveau de la reconnaissance visuelle de l'environnement? Alors il y a eu une première étude qu'on avait conduite qui consistait à regarder l'influence du contexte sur la reconnaissance des objets. Donc nous, en conditions naturelles, on perçoit différents objets dans un certain contexte. Ici, on est dans le contexte de l'auditorium, par exemple. Ça veut dire que quand on est dans ce contexte, on a un peu des attentes sur les objets qu'on peut percevoir. Voilà, donc c'est ce que je regarde. Est-ce que ces attentes peuvent être modifiées avec l'âge? Est-ce que la reconnaissance des objets chez des sujets âgés peut être plus ou moins lente, plus ou moins précise dans un contexte donné? Et toujours, on compare par rapport à des sujets plus jeunes. Alors, quels sont le genre d'expériences qu'on peut utiliser pour tester ces effets de contexte? Donc ici, nous, ce qu'on fait au laboratoire, on place, c'est tout simple, on place le sujet devant un écran d'ordinateur sur lequel on va lui présenter ses photographies telles que celles que je vous ai montrées juste avant. Et puis il va avoir un bouton dans chaque main. Et donc par exemple pour cette étude précise, on a demandé au sujet d'appuyer ici d'un côté quand il percevait un meuble dans la scène. Et puis on lui demande d'appuyer de l'autre côté le plus rapidement possible quand il perçoit un animal dans la scène, comme c'est le cas ici ou ici. Les scènes sont présentées très rapidement, vous allez tout de suite faire la tâche juste après, donc c'est ce qu'on appelle des scènes flashées. Cependant, avec ces temps de présentation très courts, ça c'est un dixième de seconde, vous allez voir qu'on arrive très bien à identifier les objets et les contextes d'une scène avec ce temps de présentation très court. Donc ici, je vais vous demander de vous placer dans les conditions expérimentales et donc vous allez appuyer bouton gauche quand vous percevez un meuble dans la scène, bouton droite quand c'est un animal. Il faut être le plus rapide possible. Alors, allons-y. Donc on démarre. Voilà, là il n'y a plus rien, je confirme. Alors, ça vous dit quoi? Alors, on a testé des sujets, je vais vous montrer jusqu'à 90 ans, ils arrivent très bien à faire cette tâche avec ce rythme. Alors, ce n'est pas tous les sujets, des sujets qui sont cognitivement, on va dire, en bonne forme. Donc, vous avez vu que très rapidement, on perçoit très bien toute la scène, là c'est présenté 100 millisecondes. Et puis non seulement je pense que vous avez pu dire animal ou meuble, mais pour la plupart des images, vous avez probablement aussi identifié l'animal ou le meuble, sans aucun souci. D'accord ? Alors, ici, donc, y a aussi, si vous avez quand même perçu les scènes, il y a aussi quelque chose qu'on a manipulé, ce que j'appelle la congruence entre l'objet qui est présenté et le contexte donné. Donc, par exemple, un animal, surtout des animaux sauvages, on s'attend à les voir dans des contextes naturels, des grands espaces. Des meubles, on s'attend à les voir dans des scènes d'intérieur, contextes d'intérieur. Et justement, les réponses des sujets, donc on regarde bien sûr le nombre de bonnes réponses et la rapidité avec laquelle les sujets répondent, vont dépendre de cette congruence entre l'objet et son contexte de présentation. Et en particulier, ça se retrouve chez les sujets, ou presque, c'est vraiment la très grande majorité, on va reconnaître plus facilement les objets quand on les perçoit dans leur environnement habituel. Ça, c'est parce que notre voie ventrale, notre système visuel, grâce à l'expérience visuelle quotidienne, on va renforcer certaines connexions neuronales, ce qui fait que un objet donné va être associé à un contexte ou plusieurs contextes en particulier, et que ça va faciliter la reconnaissance de l'objet. Donc,
voilà le résultat qu'on obtient. Si on regarde à peu près le taux de bonne réponse et les temps de réponse moyens, quand les objets sont présentés dans leur contexte habituel, on va avoir souvent pratiquement 100% de bonnes réponses, des temps de réponse relativement rapides. Par contre, quand on présente ces mêmes objets dans des contextes inhabituels, on va avoir plus d'erreurs, donc moins de taux de bonnes réponses, et les sujets vont être plus lents. Ça se retrouve chez pratiquement tous les sujets. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que la reconnaissance varie selon l'âge. On avait testé 4 groupes d'âge, donc dont des sujets assez âgés. Et on a pu voir que, alors aussi étonnant que ça puisse paraître, les performances sont pratiquement équivalentes entre les groupes d'âge, à part que donc, les sujets un peu plus âgés vont avoir des temps de réaction un peu plus lents, mais c'est plutôt lié à la réponse motrice qu'à l'analyse visuelle. Par contre, dès qu'on va présenter les objets en contexte incongruent, on va avoir beaucoup plus de difficultés chez les sujets âgés. Donc quelques difficultés chez les jeunes, mais chez les sujets âgés, ces difficultés vont être amplifiées, ils vont faire beaucoup plus d'erreurs et vont être nettement moins rapides. Donc ce qu'on peut supposer, c'est que, et la littérature va un peu dans ce sens, c'est que pour reconnaître les objets, les sujets vont avoir plus d'attentes basées sur le contexte où ils se trouvent, donc ils donnent plus d'informations, d'importance aux informations de contexte. Et à quoi on peut relier ça au niveau cérébral? C'est qu'avec l'âge, on a de plus en plus d'expériences visuelles. Donc on a encore plus d'influence de cette expérience visuelle quotidienne. Tel objet se trouve généralement dans tel contexte. Ce qui va faciliter le traitement d'associations déjà connues, l'ours polaire sur la banquise, mais qui va aussi impacter sur, dès qu'on va percevoir, des associations inhabituelles. Voilà, ça c'était le résultat d'une première étude. Deuxième étude que je vous présente, on a regardé l'apprentissage de nouveaux objets dans notre environnement. L'idée ici, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certains objets qu'on utilise tous les jours qui sont apparus relativement récemment dans notre environnement. Principalement des objets technologiques qu'on voit depuis 20 ans ou moins. Donc ça veut dire que des sujets qui sont âgés maintenant, mais même... moi, il y a des objets que je n'ai appris qu'à 20 ans ou plus. Donc on va utiliser ces nouveaux objets de l'environnement pour tester comment se font de nouveaux apprentissages d'objets à l'âge adulte. Alors ici, on va refaire la tâche. Donc c'est presque le même principe. Le sujet est placé devant l'écran d'ordinateur. Quand l'objet que vous percevez, ici on présente des objets isolés sur fond gris, quand l'objet que vous percevez est un objet artificiel fabriqué par l'homme, il faut appuyer bouton gauche. Si vous percevez un objet naturel, vous en avez des exemples ici, vous appuyez sur le bouton droit. Allez, c'est parti pour la tâche. Avoir à peu près moitié d'objets naturels et artificiels. Et en plus, alors vous avez vu des trucs un peu bizarres qu'on présente, ce qu'on appelle des masques qui permettent d'interrompre le traitement visuel. Alors ici, dans les objets qu'on a présentés dans cette tâche, on a testé 3 groupes d'âge, on avait en fait 2 types d'objets. On avait des objets de ce type-là, ce genre d'objets naturels ou artificiels, qu'on a a priori appris durant l'enfance. Donc c'est des objets que vous avez perçus depuis l'enfance, donc vous connaissez depuis très longtemps, donc ce sont des apprentissages qui ont été faits durant l'enfance. Dans le cas de l'environnement visuel, on parle d'apprentissage implicite, c'est-à-dire qu'on apprend naturellement à force de percevoir. Et puis, dans cette même manip, je vous en ai présenté quelques-uns tout à l'heure, il y a également ce genre d'objets qui sont apparus dans notre environnement depuis 20 ans ou moins. Et ce qu'on a observé, donc ces objets-là ont été, pour des sujets par exemple qui ont 20 ans aujourd'hui, ces objets-là ont été appris durant l'enfance. Pour des sujets plus âgés, ils ont été appris naturellement à l'âge adulte. Et ce qu'on observe ici, c'est qu'en faisant cette tâche de reconnaissance, comme on vient de la faire, on observe beaucoup plus d'erreurs chez les sujets plus âgés et les temps de réponse sont également nettement ralentis chez des sujets plus âgés.
Donc ça, c'est lié à l'apprentissage qui s'est fait à un âge plus avancé. Même si c'est jeune adulte, c'est quand même un âge plus avancé. Il y a moins de plasticité cérébrale liée à l'apprentissage. Et donc, certainement, un apprentissage qui se fait différemment au niveau cérébral. Voilà. Donc, en conclusion et perspective, le point très positif pour le vieillissement sain, c'est que les sujets âgés ont toujours une reconnaissance d'objets qui reste très précise et rapide. Par contre, donc ces légères modifications liées à l'âge, on a vu que les sujets âgés semblent privilégier le traitement du contexte. Ils ont de plus en plus d'attentes par rapport au contexte où ils se trouvent sur les objets qui peuvent être présents. Ça peut engendrer des difficultés de reconnaissance des objets en contexte incongruent. On pense notamment aux sujets âgés qui conduisent avec un objet incongruent qui peut se présenter. Deuxième étude, on a vu donc des objets appris plus tardivement, appris à l'âge adulte, seront moins précisément, moins rapidement reconnus que des objets appris dans l'enfance. Voilà. Alors après, la perspective de toutes ces études, ici on observe le fonctionnement, enfin la perception et la reconnaissance visuelle liée à l'âge. Le but, c'est de voir comment on pourrait améliorer l'apprentissage de nouveaux objets. Puis ici, on parle d'objets, mais on pourrait l'étendre à d'autres apprentissages. Comment améliorer ces nouveaux apprentissages à l'âge adulte? Donc, ce sera les études futures en testant différentes conditions d'apprentissage en contexte de laboratoire. Voilà, merci de votre attention, oui, au niveau des financements et de mes collègues. Bonjour madame. Bonjour. Moi j'aurais une question à vous poser par rapport donc à cette étude, parce que honnêtement, en étant complètement novice, je ne suis pas du tout dans le milieu scientifique, je ne vois pas l'intérêt de cette étude. Dans la pratique au quotidien, on se rend compte, vous, moi, enfin nous ici dans la salle, plus on avance dans l'âge, plus on a des difficultés, plus on est mieux dans notre confort au quotidien. Plus on a du mal à apprendre certaines choses. Est-ce qu'il ne fallait pas passer directement à la phase suivante en disant comment on fait pour améliorer cet état de choses plutôt que de revenir sur quelque chose qui est d'accord, connu, qui est su, qui est... Enfin, alors, pour moi, c'est du temps perdu, c'est de l'argent. Enfin, oui, je suis désolée, hein, je ne suis pas du tout scientifique. Hein. Alors, c'est une réaction assez naturelle. Alors, donc, en recherche, il se trouve que les trois présentations précédentes portaient sur des pathologies. En recherche, il y a aussi ce qu'on appelle la recherche fondamentale, qui consiste à comprendre la compréhension du cerveau dans des cas totalement sains. Donc, en absence de pathologie, comprendre comment fonctionne le cerveau. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect recherche fondamentale qui, je comprends, est moins parlant pour le grand public, mais qui, pour moi, est un aspect très important de la recherche. Voilà. Après, c'est un début d'étude avec cet objectif de voir comment améliorer les apprentissages. Si on arrive à comprendre, par exemple, les différences entre comment va se faire un apprentissage à l'âge adulte par rapport à l'enfance, où l'enfant absorbe, hein, donc les apprentissages se font très facilement, la plasticité est très importante, d'accord ? Donc si on arrive à comprendre quelles sont les différences entre une information apprise à l'âge adulte ou durant l'enfance, ça va dans le sens de trouver des solutions pour faciliter les apprentissages à l'âge adulte. Donc ça, c'est une question de société très importante. De plus en plus, souvent, on est amené, par exemple, à changer de filière professionnelle, à se former au cours de la vie. Donc c'est des questions vraiment d'actualité qui sont importantes. Comment favoriser ces apprentissages? Ce que je vous ai présenté, oui. Mais il faut bien démarrer avec quelque chose aussi. Voilà. Avant, je n'ai pas compris. C'est plutôt de la recherche appliquée. Alors, à savoir que, vous savez, les études sur patients, on peut aussi les utiliser dans la recherche fondamentale. Quand on associe par exemple un déficit
à telle aire cérébrale, par exemple, qui est lésée, c'est aussi une information pour la recherche fondamentale. D'accord ? Voilà. Bonjour. J'ai remarqué que dans tous les tests que nous avez présentés, le contraste entre l'objet à identifier et l'environnement est très fort. Il y a seulement un objet et l'environnement est presque neutre. Or, pour étudier la reconnaissance d'un objet dans un environnement, en général, c'est plutôt extrêmement complexe. Oui, oui. Alors, question de contraste, je comprends. Enfin, alors, bon, ça, c'est des scènes qu'on a créées, effectivement. Où voilà. On a, artificiellement coller un objet sur un fond, sachant que en fait, bon, on s'en rend pas compte, mais tout est égalisé. Par exemple, dans chaque stimulus, on a égalisé le contraste entre objet et le fond. Voilà. Donc ces effets que vous voyez, ils sont pas liés à un contraste plus important ou moins important. Ah oui, non, mais il s'agit pas de contraste optique. Il s'agit de quand je cherche, si je cherche par exemple mon téléphone sur un bureau où il y a un ordinateur, des choses comme ça, c'est un peu plus difficile que. Justement, donc vous avez déjà des effets en maximisant. Vous voyez que la taille des objets aussi était très importante et l'objet est très saillant. Donc en maximisant ces paramètres, on a déjà des effets. Donc j'imagine que oui, en conditions naturelles, si vous voulez, ces effets sont plutôt plus importants. Et avec l'âge. Est-ce que le fait aussi que c'est un écran plat, oui. En fait, nous, on est dans une situation tridimensionnelle. Oui, effectivement, ça aussi, c'est une différence avec l'environnement naturel. Après, on ne peut pas tout avoir, on se rapproche au maximum des conditions naturelles. Oui, est-ce que vous étudiez également la réticence ou la résistance au changement ? Résistance, oui, non, moi je ne l'étudie pas, mais effectivement c'est une question importante. Vous parlez des mouvements ? Oui, parce qu'en fait, pour la mémorisation ou pour la reconnaissance, mm-hmm. donc bien souvent, il y a toujours une référence. Mm-hmm. Et pour les personnes d'un certain âge, les références sont beaucoup plus anciennes. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les jeunes absorbent les nouvelles technologies mm-hmm. alors que leurs grands-parents... C'est exactement ça. Et alors, quand je parle de voir comment favoriser les apprentissages à l'âge adulte ou même l'adulte âgé, effectivement, plus on vieillit, plus on va se rapporter à ce qu'on appelle des schémas. Donc, au niveau cérébral, nous avons des schémas. Et souvent, les apprentissages sont favorisés quand on se réfère à ces schémas pour apprendre de nouvelles choses. Donc ici, quand vous aviez par exemple les objets en contexte incongruent, on sort complètement de ces schémas. C'est pour ça que les sujets âgés sont d'autant plus impactés. Donc l'idée, c'est quand on veut favoriser les apprentissages, se rapprocher de schémas déjà connus et bien ancrés effectivement, puisqu'il y a une expérience encore plus longue, pour faire de nouveaux apprentissages. Bonjour. Ma question fait un peu écho à ce que vous venez de dire, mais c'est une autre question quand même. Justement, dans votre première étude, vous mettez l'objet dans son environnement. Donc, lorsqu'une personne atteint un certain âge, est-ce qu'il est plutôt stimulant de changer la personne de contexte pour que justement, en changeant de contexte, elle n'ait plus l'objet dans le même environnement et ça la stimule, ou est-ce que c'est perturbant et est-ce qu'il vaut mieux laisser la personne dans un environnement connu ? Oui. Est-ce qu'il faut mieux privilégier la stimulation ou le repère ? Oui, je pense que ça dépend des personnes et surtout je pense que pour, on parle toujours de stimulation cognitive, hein, pour favoriser un vieillissement cognitif réussi. Je pense que donc pour une personne cognitivement bien portante, la stimulation, donc le nouvel environnement, est très enrichissant. À l'inverse, et c'est aussi une des perspectives dont je n'ai pas parlé, quand vous allez dans des vieillissements pathologiques, en particulier la maladie d'Alzheimer, donc pour ce type de pathologie, la nouveauté est très perturbante.
et en particulier l'étude, par exemple la dernière étude sur les nouveaux objets, on veut la tester sur des patients parce que ça pourrait être un moyen de diagnostic très précoce d'une pathologie débutante. Un patient, même à un stade assez précoce d'Alzheimer, ne peut plus mémoriser de nouvelles informations. D'accord ? Donc effectivement, là, ce qui est rassurant, c'est de se placer dans des contextes déjà connus. Un patient aura beaucoup de mal, par exemple, à apprendre de nouveaux objets, comment fonctionnent les objets, etc. Voilà. Pour les sujets sains, je pense que c'est très stimulant d'avoir de la nouveauté, justement. Donc, merci beaucoup à Florence Rémy pour cette présentation. On va passer à la présentation suivante, donc la cinquième, effectuée par Muriel Mescam, qui s'intitule « Peut-on prédire le déclin cognitif lié au vieillissement cérébral ?» C'était pas prévu la première diapo qui n'en était pas une. Donc bonjour à tous. Alors je travaille comme Florence, comme maître de conférence, donc je suis pas non plus plus en thèse. Je travaille à l'université Paul Sabatier à Toulouse et pour ce qui est de mes parties, de mes travaux de recherche, je travaille comme la plupart des conférenciers que vous avez entendus aujourd'hui au CERCO, donc au Centre de recherche cerveau et cognition. Donc la question que j'ai posée ici, c'est peut-on prédire le déclin cognitif lié au vieillissement cérébral, sachant que je n'ai pas vraiment la réponse, sinon je ne serais pas justement ici, mais mes travaux de recherche se basent sur l'hypothèse que oui, on fait le pari que oui, et on va essayer de savoir comment justement prédire ce déclin cognitif, comment le mettre en relation avec le vieillissement cérébral, et comment trouver des marqueurs qui peuvent nous aider à mieux comprendre dans un premier temps pour mieux prédire par la suite. Donc, la plupart du temps, lorsqu'on fait de la recherche en amont, donc un peu plus fondamentale, pour reprendre les termes évoqués précédemment, on va d'abord rechercher à comprendre les phénomènes et on ne va pas tout de suite passer sur justement l'étude des patients. Donc, on va procéder à une phase préclinique. Il existe des modèles du vieillissement, des modèles animaux du vieillissement, et dans plusieurs cas particuliers du vieillissement pathologique, comme par exemple des souris Alzheimer, où on a induit la maladie, on a créé la maladie finalement pour ces modèles. Mais la grande question, c'est peut-on utiliser un modèle préclinique qui pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui se passe, sans pour autant qu'on soit obligé d'aller transformer finalement ce modèle pour l'appliquer à une pathologie particulière. Est-ce qu'il y a des déficits cognitifs qui se créent naturellement chez l'animal ou chez ce modèle animal qui pourraient être observés également chez l'homme, et est-ce qu'on peut observer chez ces mêmes animaux ce que l'on observe chez l'homme, mais de manière spontanée, avec un développement spontané. Donc on étudie pour cela un autre modèle que les modèles classiques comme les modèles de souris. On étudie au CERCO le marmoussé, qui est un petit primate du Nouveau Monde. Ce marmoussé est étudié pour la phase comportementale, donc on étudie son comportement, on étudie sa cognition, avec des tâches exécutives par exemple, on étudie comment les apprentissages chez cet animal vont être modifiés au cours du temps, donc avec l'âge. Est-ce que des déficits cognitifs apparaissent? Si oui, paraissent-ils naturels ou sont-ils précoces? Donc ça, c'est effectué en étudiant des groupes d'animaux et en essayant de comparer les animaux.
On peut effectuer également des mesures de paramètres biologiques chez ces animaux. En parallèle, l'idée ici, c'est d'utiliser finalement une batterie de tests, mais qu'on peut effectuer chez l'homme également et qu'on fait chez les patients en général, donc de manière, pour rester le plus non-invasif possible, puisque voilà, on ne va pas non plus aller trop loin dans l'étude de l'animal. Donc ce que l'on fait ici au CERCO, à Toulouse, c'est de l'IRM, comme on le fait chez l'homme, l'imagerie anatomique dans un premier temps, pour aller voir si on observe des changements au cours de l'âge dans les structures du cerveau. Donc l'IRM va nous donner un contraste entre, selon la séquence utilisée entre les différents tissus, et nous donne une information structurelle. En parallèle, on va également pouvoir observer le métabolisme ou la perfusion chez les mêmes animaux. C'est fait par des techniques d'imagerie comme la tomographie émission monophotonique, le TEMP, ou en ce qui concerne le métabolisme, la tomographie à émission de positron, c'est le TEP. Donc c'est ce qui est classiquement utilisé également chez l'homme. Et on le fait en adaptant évidemment les séquences, en adaptant l'acquisition et en adaptant le post-traitement des images également à l'animal et à notre modèle en particulier. Il est possible également d'aller observer la partie vasculaire du cerveau, donc les vaisseaux, essayer d'obtenir un meilleur contraste. Donc là, l'image n'est pas de très bonne qualité et elle ne nous appartient pas. C'est une équipe de Caen qui étudie également le marmoussé pour d'autres questions médicales, qui a fait ses travaux. Et ce qu'on essaie également de mettre en place ici à Toulouse pour aller observer justement les modifications vasculaires avec le temps. On peut le faire à différentes échelles. Donc ici, à une échelle plus macroscopique, on va voir les gros vaisseaux. Et à une échelle microscopique, on va utiliser une technique plus adaptée, comme la microtomographie rayon X, par exemple. Donc toutes ces données que l'on peut acquérir chez ce modèle vont être acquises à différents temps, à différents instants, au cours de la vie de cet animal. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il a une durée de vie qui est bien plus faible que celle de l'homme, puisque c'est environ une dizaine d'années en captivité. Donc on peut suivre au cours de sa vie cet animal et effectuer, le laisser évoluer à son rythme et effectuer post-mortem, comme pour l'humain, le diagnostic thérapeutique. Donc ici, quand je parle de différents instants au cours de la vie, on va s'intéresser essentiellement aux animaux adultes et adultes vieillissants, puisqu'on observe justement non pas le développement dans le cadre de ce projet, mais le vieillissement du cerveau. Donc toutes ces techniques d'imagerie sont adaptées à notre modèle. Le problème, c'est que contrairement à l'homme, où il existe déjà des tas de choses effectuées, et à d'autres modèles animaux également, dans le passé, c'est un modèle assez récent, du moins récemment étudié du point de vue du cerveau, l'imagerie du cerveau. Donc on a pas mal de post-traitement des données à faire, ça nécessite des traitements informatiques. Chaque modalité employée ici pose une question différente, correspond à une échelle différente spatialement, à une résolution différente également, et va nous permettre d'avoir une observation, une information différente. Donc on n'observe pas la même chose lorsqu'on regarde du TEP, lorsqu'on regarde de l'IRM, en tout cas de l'IRM anatomique. Donc tout ça, il faut le combiner. Ça nécessite des traitements. Donc c'est une grosse partie de notre travail finalement dans l'équipe au CERCO aussi, c'est de traiter ces données. Je donne un exemple ici où sur des images IRM anatomiques, on va essayer de segmenter les tissus, on va essayer de séparer les différentes structures, savoir à partir d'une image comme celle-ci, qu'est-ce qui est le cortex, qu'est-ce qui est la substance blanche, le liquide céphalo-rachidien, etc. Donc on se base sur des modèles standards, ce qu'on appelle en image des templates, donc qui ont été moyennés et segmentés au préalable à la main par les experts, qui nous permettent de définir avec une certaine probabilité que l'on se situe plutôt dans le cortex, plutôt dans la substance blanche par exemple. On peut utiliser ensuite ces cartographies. Donc ça, c'est une image, c'est une coupe 2D, mais en réalité on a un volume 3D du cerveau. Donc on a également un cortex 3D.
dont j'ai donné un exemple de coupe ici. On peut faire des études morphométriques sur ces coupes pour savoir quelle est l'épaisseur du cortex en chaque point ici, par exemple. On obtient une carte d'épaisseur corticale et si je la généralise à un plan 3D, j'obtiens quelque chose comme cela. Pourquoi on fait ce genre d'études morphométriques ? Parce que justement, c'est un marqueur qui peut être observé, qui a montré déjà des changements au cours de la vie chez l'homme. On a un cortex qui va diminuer en épaisseur avec l'âge et qui peut justement diminuer de manière plus importante lorsque le vieillissement devient pathologique. Lorsqu'on s'intéresse par exemple à la maladie d'Alzheimer, certaines équipes ont montré un lien avec la diminution de l'épaisseur corticale, au moins dans certaines régions du cerveau. Donc c'est ce qu'on essaye d'observer également chez le marmoussé. Ça, c'est un exemple. Finalement, par rapport à la diapo que je vous ai montrée avant, à chaque étape, à chaque modalité d'imagerie, on va faire ce genre de post-traitement pour essayer d'extraire un maximum d'informations qu'on n'a pas forcément visuellement au départ sur l'image. Donc c'est le gros du travail ici. Une fois qu'on a extrait des paramètres qui peuvent être des marqueurs de ce que l'on cherche à observer, que ce soit anatomique ou fonctionnel, que ce soit par exemple donc cette épaisseur corticale, c'est un exemple de paramètre structurel ou anatomique, ou fonctionnel comme le métabolisme, on doit combiner toutes ces données, puisqu'il n'est pas pertinent de regarder toutes ces données séparément les unes des autres, pas forcément pertinent. Donc beaucoup d'équipes jusque-là se sont contentées de regarder l'IRM, de regarder le PET, de mettre à la limite en lien les deux et de faire des corrélations point à point dans le cerveau. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'avoir le moins d'a priori possible sur ce qu'on cherche à observer. Donc on va essayer de tout combiner. On a par exemple un volume d'IRM pour un animal donné. On a également un traceur observé en TEP, pas forcément un seul, on peut en utiliser plusieurs, donc c'est l'idée de ce projet justement, c'est de combiner des traceurs qui vont à la fois aller regarder différentes choses, les dépôts de plaques amyloïdes, choses observées dans des cas pathologiques comme la maladie d'Alzheimer chez l'homme, les protéines tau, etc. En parallèle, on a également des scores comportementaux acquis chez les animaux pour des tâches données. Donc l'idée, c'est de mettre en lien toutes ces données. On le fait pour un groupe de sujets que l'on suit au cours du temps. Donc au final, on a finalement une série de groupes de sujets par âge. On combine le tout. On sait, tout ce que l'on sait a priori, c'est quel âge avait le sujet à ce moment-là. Donc pour un groupe de sujets, on sait seulement qu'il appartient à ce groupe d'âge. L'idée, c'est d'appliquer des méthodes mathématiques qui vont prendre en compte toutes ces données dans un même ensemble et par des algorithmes mathématiques statistiques et ce qu'on appelle plus particulièrement des analyses multivariées. On va pouvoir à l'aveugle aller chercher des correspondances entre des paramètres à la fois structurels que l'on aura observés en IRM ou des paramètres fonctionnels qu'on voit par d'autres modalités ou encore en comportement. Un changement cognitif. Donc dans ces algorithmes multivariés, dans cette boîte que je ne vais pas détailler, je vais vous épargner ça, l'idée c'est que ce que l'on en ressort, c'est des composantes totalement indépendantes qui nous définissent, ben voilà, dans telle région du cerveau, je définis qu'il y a un lien entre tel marqueur, entre tel changement observé dans le métabolisme et tel changement en épaisseur corticale, soit dans la même région, soit dans une région complètement différente. L'idée, c'est d'aller vraiment à l'aveugle, sans a priori, pour justement se démarquer de tout biais qu'on peut introduire par nos connaissances actuelles. Pour aller voir si on n'observerait pas justement des choses qu'on n'observait pas avant ou dont on n'avait pas forcément idée non plus. Donc voilà l'idée, c'est d'identifier toutes les relations entre des modifications à la fois structurelles, fonctionnelles ou cognitives et l'âge. Donc trouver le lien avec l'âge dans des régions soit proches, soit similaires, soit exactement les mêmes régions, soit éloignées du cerveau. Donc pour conclure, peut-on prédire le déclin cognitif pour revenir vraiment à la question au départ ? L'idée, c'est d'observer déjà dans un premier temps.
à la fois ce qui se passe dans le cerveau et le comportement de l'individu, faire des liens avec ce que l'on observe chez l'homme pour mieux comprendre. Donc ça, ça nécessite une grosse phase de traitement et d'analyse des données, une grosse partie mathématique et informatique. Et donc, dans l'équipe, on va beaucoup collaborer avec l'Institut de mathématiques à Toulouse, notamment, et pour, à terme, pouvoir prédire, justement, sur les observations chez un patient, en particulier, un déficit cognitif précoce, par exemple, qui pourrait être un signe évocateur d'une évolution, pourquoi pas, vers une pathologie neurodégénérative. Donc l'idée, c'est que la prédiction va nous permettre d'adapter, donc de prévenir finalement en adaptant le traitement du patient, ou encore soigner quand c'est nécessaire, mais dans tous les cas, essayer de mieux accompagner donc, les patients qui présentent des déficits cognitifs précoces ou normaux. Donc, la clé ici, et pour l'instant, le stade où on en est, c'est simplement essayer d'observer, de comprendre. Donc, vous l'avez compris, on est encore loin de ça pour ce stade-là, mais c'est la première phase justement nécessaire. Donc très important de comprendre déjà ce qui se passe, que ce soit dans le cas pathologique ou le cas normal, puisque justement les deux sont fortement liés. Je vous remercie. Bonjour, je voulais juste savoir combien de sujets vous sélectionnez par groupe. Vous en étudiez combien pour que ce soit pertinent au niveau des résultats? C'est la grande question justement parce que bon, on est limité. Hein, on est limité déjà parce que on a un certain nombre d'animaux qu'on peut suivre avec l'âge. On en perd aussi parfois au cours du temps, donc ça arrive. On a environ une trentaine d'animaux par groupe. Alors après, on a certains animaux, pour l'instant, on n'a pas négligé non plus le fait d'étudier les animaux plus âgés qu'on n'a pas pu suivre auparavant, pour les inclure dans l'étude également, parce qu'on reste dans les statistiques. Mais l'idée, c'est d'avoir une trentaine d'animaux suivis au cours du temps, donc finalement par groupe d'âge après. Sachant que tous ne sont pas étudiés en comportement, le comportement nécessite beaucoup de travail, c'est très long pour le chercheur d'aller entraîner un animal à effectuer des tâches, donc il a un nombre beaucoup plus réduit d'individus. Donc pour chacune des phases, chacune des modalités, on n'a pas forcément exactement le même nombre d'animaux. Mais en gros, une trentaine par groupe. Voilà. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est transposable à l'homme ? Alors, ce qui nous fait dire, bon, c'est que déjà, c'est un primate. Donc, pour l'instant, les modèles précliniques utilisés sont les souris. Donc, on a confiance dans le fait que ce primate soit plus proche de l'homme au niveau phylogénétique, par exemple. Ce qui est observable après, c'est comme pour toute étude préclinique. Ici, il y a une chose qui, pour l'instant, n'a pas été observée, par exemple, chez le marmoussé, qui ne nous permet pas de dire qu'il existe la maladie d'Alzheimer chez le marmoussé, c'est qu'on n'a pas observé par exemple la protéine tau qu'on observe chez l'homme en post-mortem, qui permet le diagnostic final. Donc c'est une limite par exemple qu'on peut donner pour l'instant au modèle, mais qui nous permet quand même de dire que le fait de voir des déclins cognitifs associés à des changements qu'on observe également chez l'homme, bon, bah, c'est déjà une observation. Une observation intéressante. C'est un animal social également, cognitivement très intéressant à étudier en comparaison avec l'homme. Donc, il y a des tas de choses qui le rendent plus intéressant quelque part que la souris. Même si
voilà, pour l'instant, on étudie le vieillissement cérébral de manière générale. On n'associe pas à une pathologie particulière. Je ne suis pas sûre d'avoir répondu à la question, mais... On part d'hypothèse, et c'est le principe de... Alors, si on arrive à des conclusions, si on observe certaines choses, par exemple, en TEP, sur des marqueurs TEP, on va étudier des molécules qui sont envisagées comme traitement pour l'homme également, essayer de voir si on observe quelque chose, d'une modification chez le marmousset, qui présente un déficit. Donc ça peut être déjà... Donc, l'idée, c'est de mieux comprendre, hein, dans un premier temps, ce qui se passe. Ce n'est pas déjà de tester du médicament chez le marmousset ou de tester des méthodes thérapeutiques. L'idée, c'est pour l'instant, donc on est en amont, on est dans le stade de compréhension des phénomènes, essayer de voir si on observe, comme chez l'homme, une étape intermédiaire avant certaines pathologies, comme le MCI chez le patient, par exemple. Ce qui n'est pas encore certain. Mais comme pour tout modèle clinique, on est bien obligé, à un moment donné, de faire le saut et de dire, voilà, ce qu'on observe chez l'animal, c'est possible qu'il se passe, que ça se passe comme ça. Mais c'est actuellement déjà le cas. Tout ce qu'on fait comme observation chez la souris, toutes les études que vous allez voir vont vous dire, on a une étude à démontrer que ce phénomène se passe chez telle souris lorsque on procède de telle façon. Voilà. Personne n'ose faire le raccourci direct de dire que c'est exactement la même chose qui se passe chez l'homme. Sauf si on le voit vraiment. C'est des hypothèses. Donc, merci beaucoup à Muriel Mescam pour cette présentation. On va passer à la présentation suivante qui va être faite par Marie Glaise et dont le titre est « Rôle fonctionnel de la phosphatase ». Alcaline dans la transmission cinétique. Merci. Pourtant, je l'ai envoyé. Bon, c'est pas grave. Donc bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui du rôle fonctionnel de la phosphatase alcaline dans la transmission synaptique. Pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer. Alors la phosphatase alcaline, qu'est-ce que c'est ? C'est une enzyme qui dégrade de nombreuses molécules. Les enzymes, vous en avez dans le système digestif, tout ce qui dégrade votre nourriture. Je m'intéresse plus particulièrement à un type de phosphatase alcaline qui est dite non spécifique des tissus, donc que j'appellerai par la suite TNAP, pour faire plus simple. Et donc elle est non spécifique des tissus parce qu'elle s'exprime aussi bien dans les os, dans le rein, dans le foie, que dans le cerveau. Et il a été montré que des mutations de cette TNAP entraînent une pathologie qui est l'hypophosphatasie. Cette pathologie est associée à des défauts de minéralisation osseuse, et aussi des crises d'épilepsie qui sont sévères et qui peuvent être létales. Notre hypothèse serait que la TNAP serait impliquée dans la synthèse d'adénosine. Alors l'adénosine, qu'est-ce que c'est ? C'est un neurotransmetteur qui a de nombreuses propriétés.
Donc elle est antidouleur, anti-inflammatoire et anticonvulsivante. Et donc parmi nos hypothèses, ah zut, bon, il y avait une animation, c'est pas grave. Je vais parler donc de la première, une première voie, c'est-à-dire la voie de synthèse de l'adénosine, comme je le disais, où on part de l'ATP, donc qui est la molécule de référence qui permet de fournir l'énergie nécessaire à notre corps. Cet ATP est dégradé par la TNAP, qui était là, est dégradé par la TNAP en adénosine. Ne regardez pas la petite flèche. Elle est dégradée en adénosine. Cette adénosine va se fixer sur un certain type de récepteur. En se fixant sur son récepteur, ça va permettre une diminution du glutamate. Le glutamate, c'est le neurotransmetteur excitateur par excellence de notre cerveau. Donc l'adénosine, elle diminue la concentration de glutamate. Et le glutamate, donc si c'est un excitateur, ça veut dire qu'on a une diminution de l'excitation neuronale. Jusque-là, c'est bon. Deuxième voie dans laquelle la TNAP intervient, elle intervient dans la dégradation de la vitamine B6, qu'on retrouve en quantité dans les volailles, les tomates, les bananes, les épinards, je crois aussi. Et donc cette vitamine B6 est dégradée en tout plein d'intermédiaires, que je ne cite pas, pour former du GABA, ici, qui est, lui, l'inhibiteur, le neurotransmetteur inhibiteur par excellence de notre cerveau. C'est le frein. Le glutamate, c'est l'accélérateur, le GABA, c'est le frein. Donc du coup, la TNAP, elle permet également d'avoir une certaine inhibition neuronale. Les crises d'épilepsie, c'est un déséquilibre entre excitation et inhibition. Et donc si on n'a plus de TNAP, ici, on a moins d'adénosine, donc plus de glutamate et plus d'excitation neuronale. Pareil, si on n'a plus de TNAP ici, on a moins de GABA et moins d'inhibition neuronale. Donc si on a plus d'excitation et moins d'inhibition, ça fait plus d'excitation et ça fait beaucoup d'excitation. Du coup, des crises d'épilepsie peuvent se former. Donc moi, je travaille chez la souris et je fais des tranches de cerveau de souris. Donc je vous ai mis un dessin ici. C'est même pas un dessin, c'est une image, c'est un marquage que j'ai réalisé. C'est un marquage de l'activité de l'enzyme. Donc je donne un substrat à mon enzyme, je lui donne à manger. Elle dégrade ce substrat. Et en dégradant ce substrat, on a la formation d'un précipité violet qui rend compte de l'activité de mon enzyme. Donc ici, on voit bien que dans cette tranche, il y a beaucoup d'activité TNAP. Donc mes tranches, je les mets ensuite dans un dispositif qu'on appelle une chambre d'enregistrement. Donc on voit ici la petite tranche. C'est une boîte dans laquelle on a du liquide céphalo-rachidien. Donc on a recréé un liquide céphalo-rachidien artificiel, comme vous avez dans votre cerveau. Votre cerveau, il baigne dans ce liquide. Et donc en fait, on peut assimiler cette chambre d'enregistrement à un mini-cerveau, on va dire. Globalement. Et ensuite, je place des électrodes. Ici, une électrode d'enregistrement dans une certaine région du cerveau. Une électrode de stimulation, pardon. Une électrode de stimulation dans une certaine région du cerveau qui va envoyer un courant. Ce courant va se propager au niveau tout le long des fibres pour arriver à une électrode d'enregistrement. Oui, c'est ça. Une électrode d'enregistrement qui est située quelques micromètres plus loin. Et donc j'enregistre le courant qui en résulte, qui est ici. Donc ce sont des amplitudes de réponse en fonction du temps. Et donc en situation contrôle, c'est-à-dire quand on ne met pas d'adénosine, j'ai ce qu'on appelle une onde, une vague lente, qui rend compte des courants au niveau de mon électrode d'enregistrement. Et plus on met d'adénosine concentrée, donc plus on en met en fait, hein, qu'on passe du bleu au vert et au rouge, on voit qu'il y a beaucoup moins d'excitation puisque on a quasiment plus d'amplitude. Donc on avait dit l'adénosine anticonvulsivant, bah du coup, ok, on est d'accord. L'adénosine, on a peu de signal, on va dire.
Et notre but, c'est justement de travailler sur cette TNAP et de moduler son activité. Et pour moduler l'activité d'une enzyme, on utilise ce qu'on appelle des inhibiteurs. Donc on va bloquer cette enzyme, on va faire comme si la souris était malade, avait une hypophosphatasie, et on bloque cette enzyme avec un inhibiteur qui s'appelle le MLS. Donc on s'attend à ce que, si je reviens à mon petit schéma, si on met pas de TNAP, donc si on n'a plus de TNAP, on a beaucoup d'excitation neuronale. Donc en fait, sur notre graphe, ici, on aurait dû revenir peut-être au niveau contrôle, ou même voir beaucoup plus d'excitation. Et bien, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas du tout ce qu'on voit. Et au contraire, on... Oups ! Pardon. Au contraire, au lieu de revenir au niveau d'un contrôle, donc là, ce sont deux contrôles, ben, on n'a toujours pas d'activité. Alors, on s'est dit, ça se trouve, c'est notre inhibiteur qui ne fonctionne pas. Mais on a contrôlé et on a regardé si, donc avec des marquages, toujours les mêmes, avec ou sans inhibiteur, si c'était dû à ça. Et dans notre inhibiteur, il fonctionne bien. Et même, on a fait une autre expérience, ça s'appelle de la métabolomique, donc c'est-à-dire qu'on prend des cerveaux de souris saines, deux souris sont malades, on broie le cerveau, on envoie ça à des chimistes, les chimistes nous donnent une liste de molécules qui ressortent, qui sont significativement différentes entre deux groupes. Et les souris, quand on les traite avec du MLS, pourtant, elles ont... qu'est-ce que je voulais dire que je me souvienne. Pourtant, elles ont de l'adénosine. Oui, bien joué. Donc du coup, électrophysiologiquement parlant, on n'arrive pas pour l'instant, je n'arrive pas à le montrer, mais j'ai d'autres hypothèses que je suis en train de tester pour essayer de comprendre pourquoi, d'un point de vue électrophysiologique, ça ne marche pas. Alors c'est peut-être pas parce que ça ne marche pas, c'est peut-être parce que un certain intermédiaire dans la chaîne va se fixer sur mon récepteur à la place de l'adénosine et va induire exactement la même réponse. Et donc du coup, je suis en train de tester en ce moment cette hypothèse et j'essaye de comprendre un peu mieux quel est le rôle de cette TNAP et essayer de comprendre ce système nerveux central. Merci. Bonjour, merci. Et du coup, cet intermédiaire, il viendrait se fixer à quel niveau Très bonne question. Par rapport à votre premier schéma. Ah, alors le schéma. En fait, là, j'ai bien simplifié, parce qu'après l'ATP, il y a l'ADP. Alors, ATP, adénosine 3, phosphate. La TNAP, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève les phosphates. Elle adore grignoter les phosphates. Donc du coup, elle fait, donc j'ai dit ATP 3 phosphate, on passe en ADP 2 phosphate et en AMP 1 phosphate. Et c'est cet AMP 1 phosphate qui serait peut-être, qui serait éventuellement capable de se fixer sur mon récepteur et d'induire donc une inhibition. En fait, il fait exactement la même chose que l'adénosine, il diminue mon excitation neuronale. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas d'effet. En électrophysiologie. On a testé également d'autres enzymes, parce qu'il existe d'autres catégories d'enzymes qui sont appelées des ectonucléotidases, qui permettent également de faire la transformation AMP-adénosine. Donc on les a testés aussi, mais on a toujours le même résultat. Donc voilà.
Est-ce que vos travaux sont un lien avec les travaux qui sont faits sur les médicaments? On a parlé tout à l'heure de la difficulté de traiter l'épilepsie avec des médicaments, et on a parlé aussi de l'inefficacité de certains médicaments pour l'épilepsie. Donc, est-ce que vos travaux pourraient déboucher sur des applications au niveau des médicaments? Je ne pense pas, parce que les épilepsies qui sont observées dans... En fait, elles sont... Comment dire? Ce sont des... Ces épilepsies sont les conséquences de cette pathologie. Oui. Donc en fait, c'est pas... on pense vraiment que ça a un lien avec cette fameuse TNAP. Et pas, comme l'a présenté Elodie, c'est pas une épilepsie, je sais pas comment dire, c'est vraiment une conséquence de cette pathologie. C'est pas une épilepsie, la pathologie, plus après des défauts de minéralisation osseuse, c'est tout un ensemble, c'est toute la maladie, l'hypophosphatasie, qui fait que... Qui provoque l'épilepsie. Qui provoque les crises d'épilepsie. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse... parce que ce sont des crises d'épilepsie qui sont mortelles. Ils en font beaucoup également, mais je ne pense pas qu'il y ait de traitement de toute façon pour cette pathologie, l'hypophosphatasie. Actuellement, à part des antidouleurs, parce que ce sont des personnes qui ont énormément de douleurs, ils ont donc souvent des antidouleurs. Il y a en ce moment une étude clinique qui est basée sur la substitution d'enzymes, donc qui est testée qui a été testée sur plusieurs patients, où on leur supplémente, donc on remplace la TNAP défectueuse par une autre enzyme qui fait le travail. Et donc en épilepsie, par contre, il n'y a pas vraiment de résultats. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre exactement comment ça fonctionne. Parce qu'en épilepsie, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, tellement il y a d'intermédiaires et de réseaux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Donc, merci beaucoup à Marie-Glaise pour cette présentation. On va passer à la présentation suivante, qui va nous être présentée par Mehdi Dulem et qui s'intitule « Effet de la répétition sur la mémoire à long terme, analyse EEG de signaux enregistrés pendant un rappel en mémoire de vidéo ». Merci. Alors, il faut que je parle dans ce truc-là, vous m'entendez, c'est bon? Donc, il y a un titre un peu moche là, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est sur ce bouton-là. Ok, très bien. On est prêt. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Mehi. Je suis actuellement en deuxième année de master neurosciences comportement cognition à Paul Sabatier. Et dans le cadre de mon stage obligatoire de 6 mois, j'ai la chance de travailler avec au sein du laboratoire, donc le CERCO, qui est en fait un laboratoire qui travaille sur le cerveau et la perception, donc à Purpan. Et donc je suis avec le génial Simon Thorpe et la pétillante Christelle Larzabal, qui est là-bas, qui a pu venir, donc je suis super contente. Je voudrais insister sur le fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment venue échanger. Donc si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, il n'existe pas de questions bêtes, et je serais vraiment heureuse d'y répondre. Donc pour mon stage, je travaille sur les mécanismes qui expliquent les effets de la répétition sur la mémoire à long terme. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer le plus brièvement, mais également le plus clairement possible, le pourquoi de cette étude, c'est-à-dire l'intérêt, le protocole expérimental, et puis les résultats attendus, ainsi qu'une petite discussion. Donc, pour commencer, il est assez largement admis que plus on répète une information, mieux on arrive à la retrouver.
pour pouvoir comprendre ce fait, en fait, vous pouvez vous repenser au karaoké auquel vous avez pu participer. Lorsqu'il y a une chanson qui arrive, que vous aimez beaucoup, que vous avez déjà répété un million de fois, quand elle arrive, on peut la chanter ou la hurler, plutôt, du début à la fin, sans hésitation. De la même façon, les publicités qui sont martelées à la télévision, donc qui sont largement répétées, on peut assez facilement, assez rapidement, les associer donc à la marque. Donc on n'est pas là pour faire de la publicité. En 1885, un chercheur donc, qui s'appelle Ebbinghaus, un psychologue allemand en fait, a montré que plus on répète, donc ici vous voyez une répétition, deux répétitions, trois répétitions, quatre répétitions, et il y a une augmentation du pourcentage de données recouvrées à un moment donné. Ça veut dire que plus vous répétez une information, et plus elle sera ancrée dans votre cerveau. Donc, nos petits karaokés ont encore un bon temps devant eux, heureusement. Une des hypothèses de notre étude ici, c'est que plus on va répéter, et plus il y aura une spécialisation de nos neurones, ça veut dire plus il y aura un petit nombre de neurones qui seront activés. Ici, on se demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand une information répétée plusieurs fois est rappelée en mémoire. En particulier, on s'intéresse à la mémoire à long terme, donc ça correspond au processus qui permet donc d'emmagasiner, de stocker et de restituer des informations qu'on a donc enregistrées ou perçues quelques temps auparavant. Le protocole expérimental, pour mon expérience, elle est simple. Donc en fait, on a un certain nombre de participants, de volontaires, qui vont faire donc deux étapes. Une première étape d'apprentissage et une étape donc de rappel en mémoire. Ils seront assis pendant les deux phases confortablement devant un ordinateur. Pendant la première phase, donc, il y a un certain nombre de vidéos qui vont leur être présentées. Et les vidéos seront présentées une, deux, trois ou cinq fois. Donc il y en a qui sont répétées et d'autres pas, par exemple, pour le une fois. Après cette phase qui dure environ deux heures, trois semaines plus tard, c'est un moment après, mais ça fonctionne très bien, trois semaines plus tard, il y a le test. Donc cette fois-ci, ce ne sont pas des vidéos, mais ce sont des images qui sont des captures d'écran des vidéos ou des nouvelles images. Donc là, c'est le test pour savoir si le sujet se souvient ou non. Donc on lui demande, est-ce qu'il se souvient donc d'avoir vu l'image et à quel point est-ce qu'il s'en souvient. Pendant cette phase également, il y aura un enregistrement EEG, donc un électroencéphalogramme. Donc ça, c'est le premier mot bizarre que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc vous ressemblez un petit peu à des pieuvres comme ça, c'est un peu moche, mais c'est très pratique parce que ça nous permet d'enregistrer l'activité des cerveaux qui va nous servir donc, pendant l'analyse. Concernant l'analyse des données, donc une fois qu'on a pris toutes les données de tous nos candidats, on va s'intéresser non seulement à la performance, mais également au signal du cerveau du sujet, enfin des sujets. Concernant les performances, on s'attend à ce que plus il y ait de répétitions et plus les sujets sont rapides et précis. Concernant la reconnaissance d'une image. S'ils ont vu une vidéo cinq fois, ils vont reconnaître plus rapidement et plus précisément l'image, la capture d'écran, que s'ils ne l'ont vu qu'une seule fois. Donc ils sont fiers. Concernant le signal du cerveau, on va utiliser différents types de méthodes. Avec, j'entends l'activité du cerveau, en fait. Ça veut dire la même chose. On va utiliser une méthode qui s'appelle les ERP, donc qui sont en français les potentiels évoqués par des événements. Parce qu'en fait, en EEG, on obtient des signaux un peu moches comme ça, qui ne sont pas interprétables directement pendant un essai. Ça, c'est un essai, disons, et en fait, c'est une grande ligne qui va être un peu comme ce que j'ai mis en illustration en bas, depuis le début. Et en fait, on sait déterminer sur notre grande ligne le moment où un certain événement apparaît. Par exemple, imaginons que j'ai envie de savoir comment ça se passe lorsqu'une image qui a été tirée d'une vidéo présentée trois fois est présenté. Donc qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Je sais tirer les petits événements qui m'intéressent. Je fais la moyenne ensuite, donc ici là, on a utilisé 16 événements qui correspondent à la même chose, donc 16 signaux, et on voit effectivement qu'il y a une augmentation, ensuite une diminution, et donc ça voudrait dire, si je trouve ça par exemple, que lorsqu'il y a eu trois répétitions et qu'on a un rappel en mémoire de la vidéo répétée trois fois, on a une augmentation de l'activité puis une diminution de l'activité du cerveau. Le problème avec cette méthode, c'est que c'est en faisant des moyennes qu'on obtient ce signal. Et donc si ce n'est pas exactement avec le même timing, donc même si on reprend les événements au même moment, si le cerveau n'a pas le même timing, même s'il refait le même dessin à chaque fois, il est possible qu'en faisant la moyenne, on perde de l'information. Du coup, on va utiliser une autre méthode également,
donc une méthode novatrice qui s'appelle MVPA et qui correspond donc à l'analyse multivariée de patrons d'activation. Donc on obtient des jolis petits dessins comme ça, qui sont des matrices donc, de décodage. Et donc imaginons que selon le nombre de répétitions, on va obtenir des dessins différents. Des dessins différents, ça veut dire qu'il y aura des dynamiques différentes d'activation. Par dynamique, et c'est ce qui nous intéresse ici, ça veut dire l'évolution dans le temps de l'activité du cerveau. L'évolution dans le temps, et ce qui est super intéressant ici, c'est qu'on ne fait pas de moyenne, donc on s'affranchit de l'effet des moyennes, de la perte d'information, et également qu'on peut regarder ce qui se passe pendant un essai. Donc imaginons que pour 3 répétitions, on ait ce dessin-là, et pour une répétition, on aurait un dessin comme ça, on peut se rendre compte que les dynamiques d'activation du cerveau sont différentes. Ensuite, concernant la localisation de l'information, il a déjà été démontré que plus une information est ancrée, plus elle est consolidée dans le cerveau, plus elle va passer d'une localisation pariétale à une localisation plutôt frontale, donc ici en rose et ici en orange. Et ce qui nous intéresse ici, donc avec cette étude de la dynamique, c'est de savoir, donc de regarder la modification de localisation de l'information et également le nombre de cellules qui seraient impliquées. Puisque si vous vous rappelez, au début, je vous ai parlé d'une hypothèse qui dit qu'il y a moins de neurones qui sont impliqués. En fait, il y a plusieurs théories sur les effets de la répétition. Et ma préférée, c'est celle qui propose que plus une information est répétée, et plus les neurones deviennent spécifiques. Comme s'il y avait certains neurones qui étaient des spécialistes et qui ont l'activité qui augmente, alors que les autres qui sont un petit peu moins spécialistes, un peu moins intéressés, avec l'activité qui diminue. Et donc on aurait des zones, globalement, qui seraient plus localisées par rapport à une information qui n'aurait pas été répétée, donc une information plus distribuée. Du coup, pour discuter, je pense que c'est important de préciser qu'il a fallu faire un compromis pour notre travail sur le nombre d'essais, étant donné qu'il faut qu'il soit assez important pour qu'on puisse exploiter les données, pour qu'on puisse utiliser notamment le classifier, donc le MVPA, mais également il n'en fallait pas trop, parce qu'il ne faut pas fatiguer les sujets donc pour avoir des résultats trop médiocres. Et cette étude donc, s'inscrit dans le M4 Project. Donc en français, c'est les mécanismes de mémorisation pour les hommes et les interfaces, qui cherchent en fait à prouver 10 affirmations assez provocantes, étant donné qu'elles sont assez en désaccord avec les théories globalement acceptées concernant la mémoire de nos jours. Merci d'avoir écouté. Bonjour. Je ne suis pas scientifique. Hein. Je précise parce que mes questions, elles sont peut-être pas. Elles sont un peu bêtes. Alors, moi, j'ai deux petites questions. Oui. La première question, ce serait de savoir, par rapport donc, à votre étude, si j'ai bien compris, à force de répéter certaines informations, on active certaines zones du cerveau. Enfin, certaines cellules, certains neurones, voilà, c'est ça, du cerveau et pas d'autres. Est-ce que ça peut avoir comme conséquence de complètement endormir les autres neurones ou pas du tout? Alors votre question est super intéressante, elle n'est pas si ingénue que ça, parce que justement une des affirmations que Simon Hopp dans le M4 Project essaie de prouver, c'est que les neurones en dormance existeraient. Mais c'est toujours des théories, parce que pour l'instant, ce qui est le plus accepté, c'est que les neurones en dormance n'existeraient pas, et que quand ce qu'on m'a appris en master à moi, par exemple, c'est que quand un neurone n'est pas stimulé, quand il n'est pas activé par des choses qu'il aime bien, et bien au bout d'un moment, soit il meurt, soit il y a d'autres choses qui lui arrivent. D'accord. Mais alors que c'est pas démontré, c'est des théories. Et du coup, une des théories de Simon, c'est que ça existerait des neurones en dormance qui peuvent être spécialistes pour un certain type d'information qu'on appelle des neurones grand-mère, par exemple, si c'est vraiment très très spécifique. Mais c'est vraiment des choses qui sont en train d'être débattues, d'être réfléchies, et c'est pas du tout une question bête.
D'accord. Deuxième chose que je voulais également vous demander. Oui. Du coup, enfin, là, je pense aux étudiants de médecine ou des personnes qui font des concours ou qui passent des entretiens. On a l'habitude de se dire, voilà, je vais par exemple à un entretien, je vais avoir un test psychotechnique ou je ne sais pas quoi. En médecine, ça va être le concours pour entrer en médecine. Je ne sais pas où on va avoir du bachotage, on va bûcher toutes les questions par cœur, de manière à ce qu'on puisse s'en rappeler au moment du concours. Du coup, ma question, ce serait, comment dire, par rapport à ces concours, par rapport à ces concours qu'on réussit parce qu'on a fait du bachotage ou parce qu'on a réussi un test d'entretien, parce qu'on a fait tous les QCM où est vraiment, comment expliquer ça, qu'est-ce qu'il en reste, voilà, c'est ce que je, merci. Qu'est-ce qu'il en, pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il en reste? Parce que finalement, c'est pas, voilà. Ah, le bachotage, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que c'est vraiment intéressant d'apprendre tout au dernier moment? Non, pas au dernier moment, pas forcément au dernier moment, parce que le bachotage, c'est pas vraiment un acquis. Ah oui, c'est ça, effectivement, c'est ponctuel, puisqu'on le fait pour un instant T, on va réussir le concours, on sera premier, on va réussir l'entretien d'embauche, on sera pris. Mais en fait, est-ce que l'information reste? Oui, on est forcément peut-être même plus médiocre que la personne, que quelqu'un qui n'aura pas réussi. Alors ça, est-ce que dans vos études, vous avez envisagé, ce sur quoi je travaille, moi, c'est vraiment plutôt au niveau du cerveau, l'évolution de la dynamique. Donc ça veut dire, c'est vraiment à savoir comment ça fonctionne dans notre tête, quelles zones sont impliquées, etc. Donc c'est un petit peu plus du côté du cerveau. Mais par contre, pour optimiser l'apprentissage et expliquer ce genre de choses, il y a monsieur Dehaene, il me semble, à Paris, qui met ses cours sur Internet et qui fait des choses très, très intéressantes et qui a dit du coup que qu'en fait, la manière la plus optimale d'apprendre, pour réussir un contrôle, ce serait de s'y prendre une semaine à l'avance. Mais que pour avoir son examen et être compétent dans la vie, il faut régulièrement alterner des phases d'apprentissage et des phases de test. Donc j'apprends, je me teste tout seul, je réapprends, je me teste tout seul. Et après, effectivement, j'ai un bon résultat à l'examen et je suis quelqu'un d'efficace dans la vie. Parce qu'effectivement, si on apprend, si on bachote au dernier moment, on a le bac, il n'y a pas de souci. Mais après, pour la suite, on peut potentiellement être médiocre, oui. Est-ce qu'on peut juste répéter le nom? Faut que je vérifie. Alors, je crois que c'est de N. Christelle, c'est de N ou pas? D-E-H-E-A-N-E. D-E-H-E-A-N-E. Mais il faut que je vérifie. Mais non, mais c'est pas pour le nom, je crois que c'est lui. Je crois. Bonjour, merci pour votre présentation. Je voulais savoir quelles étaient les personnes, comment vous choisissiez les sujets pour les expériences. Alors, pour notre expérience, on veut savoir comment ça se passe, donc on utilise uniquement des sujets sains. Ils ont en moyenne 20 ans, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'effet de l'âge sur notre étude. On en a choisi 12, parce que 12, c'est un nombre assez important, puisque pour chaque personne, il y a 2 heures d'apprentissage, 1 heure de rappel avec le G, avec la réparation. Enfin bref, donc 12, on a 12 personnes de 20 ans en moyenne, en bonne santé. Et voilà, il n'y a pas eu de critères plus. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, lequel des 5 sens est celui à utiliser afin de mieux utiliser le cerveau, afin de mieux apprendre et comprendre? Ok, alors ça c'est des travaux que certains chercheurs du labo dans lequel je travaille, travaillent justement sur le fait que pour optimiser l'apprentissage, il faudrait faire un apprentissage qui s'appelle l'apprentissage perceptuel et donc utiliser plusieurs sens à la fois. C'est pour ça qu'on vous demande de faire des fiches, par exemple, ou de répéter les leçons en les écrivant, parce que utiliser 2 modalités différentes, en les répétant, c'est encore mieux, permet donc d'avoir une meilleure empreinte au niveau du cerveau. Mais il n'y a pas un seul sens préférentiel. On est des animaux, nous sommes
des hommes, donc on est des animaux assez, je crois que ça choque personne, assez visuels. Donc vous aurez plus de facilité à apprendre quelque chose de visuel, mais en multisensoriel, c'est mieux. Par rapport à la mémoire, je me pose la question au niveau du plaisir, ou ce que ça rappelle. Par exemple, vous donnez des images à voir, et pour les différentes personnes, il va avoir déjà une mémoire qui fait qu'ils vont retenir telle ou telle image par rapport à leur vécu. Et c'est vrai qu'il me semble qu'au niveau du... Maintenant, on connaît un peu au niveau du plaisir. Plus il y a de plaisir à apprendre, plus il y a les zones qui se... Est-ce que ça, par rapport à votre expérience, ça se voit ou c'est vous essayez d'être neutre par rapport... Alors, étant donné que ce n'est pas un paramètre qui nous intéresse, ça a été important d'être neutre par rapport à ça. Du coup, pour ce côté de plaisir, on a donc contrebalancé. Ça veut dire qu'il y a certaines vidéos qui présentent des gens heureux, des gens tristes, des dessins animés. Il y a une multitude de vidéos différentes et une multitude de personnes. C'est pour ça que c'est important. Parce que si on regardait une seule personne, effectivement, il y a certaines vidéos qui l'ont marqué plus, donc elle va retenir plus facilement. Mais lorsqu'on a un nombre de personnes suffisamment grand, cet effet de la vie personnelle va être contrebalancé. Parce qu'on n'a pas tous eu les mêmes moments, on n'a pas tous vécu aux mêmes endroits. Et du coup, cet effet, je pense, a été assez, dans la limite du possible, assez maîtrisé. Je pense que ma question va être assez dure à vulgariser, mais comment est stockée l'information dans le cerveau ? Comment, pardon ? Comment est stockée l'information dans le cerveau ? Comment est stockée l'information dans le cerveau ? Sous quelle forme ? Alors, deux secondes. Oui, parce que vous avez dit... Je rebondis. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fonction de l'ancienneté de l'information ou du nombre de répétitions, elle changeait de zone. Elle passait à l'avant. Oui. OK. Donc, le fonctionnement du cerveau est basé sur de l'électricité, en gros. Et du coup, pour pouvoir stocker une information, et c'est ce qu'on est en train de regarder, ce qui se passe à l'échelle du neurone. Par exemple, il y a eu des expériences qui s'appellent de STDP, de Spike Timing Dependent Plasticity. En gros, on prend un petit neurone et puis on lui met du bruit. Ça veut dire un truc qui n'a aucun sens, mais à certains moments, on répète du bruit. On se rend compte qu'au fur et à mesure, eh bien, il réagit à cette partie en particulier qu'on répète. Donc ça veut dire que l'information au niveau du neurone même est intégrée. Et donc quand on va la lui représenter, il va la reconnaître parce qu'en fait, c'est par rapport à des mécanismes physiologiques en fait au final, c'est que en réponse à cette chose-là, il va réagir plus fort. Et donc c'est à partir de mécanismes comme ça, donc à différentes échelles, un ensemble de neurones, un petit ensemble de neurones, un neurone tout seul, que du coup il y aura le stockage de l'information et sa restitution surtout. Il n'y a pas, c'est pas comme un truc écrit qu'on peut juste lire directement. Je ne sais pas si c'est assez clair comme réponse. Oui, bonjour, excusez-moi, ma question n'est pas directement en lien avec la mémoire. Donc vous étudiez la mémoire. Est-ce qu'il existe des études sur le comportement d'un cerveau qui n'aurait pas développé de capacité d'attachement, qui aurait donc de gros problèmes au niveau socialisation? Alors là, je ne travaille pas du tout sur ça. Et je me suis... Vous connaissez peut-être quelqu'un qui... C'est une question intéressante après, mais très sincèrement, j'en ai aucune idée. Je ne m'y suis pas penchée, donc je ne voudrais pas vous répondre n'importe quoi. Parce que du coup, ça peut être soit de naissance, soit acquis dans la vie. Du coup, les problèmes de sociabilité, ce n'est pas forcément de la mémorisation et je ne saurais pas répondre. Non, vous auriez pu connaître quelqu'un qui travaillait là-dessus. Non, je n'en ai pas en tête, désolée. Merci.
Donc, merci beaucoup Amélie Dulem pour cette présentation. On va passer à la dernière présentation qui va être effectuée par Eric Schmitt, qui s'appelle l'ingénierie du vieillissement cérébral. C'est le truc magique. Bonjour à tous. Je vais vous présenter mes travaux qui ont la particularité de, dans une certaine mesure, désacraliser aussi le cerveau. Parce que le cerveau, c'est effectivement un sujet d'étude, mais c'est aussi un objet d'étude. Le cerveau, c'est une structure, c'est une masse, c'est un organe. Et à ce titre, l'organe existe en tant que tel. Et moi, je suis neurochirurgien, donc je m'intéresse beaucoup à la structure cérébrale à proprement parler. Et mes travaux m'ont amené à explorer différents champs que je vais essayer de vous présenter. Très souvent, je suis confronté à ce type de problème. Un cerveau, ça ressemble un petit peu à ça, et quand on regarde, ce cerveau, il n'est pas tout à fait normal. On voit qu'il a perdu beaucoup de masse, il y a des grosses cavités à l'intérieur, et une de mes questions centrales, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Moi, je suis tout le temps en train de me poser des questions, quel est le mécanisme, qu'est-ce qui se produit à l'intérieur ? Et on a différentes stratégies pour comprendre tout cela. On a d'abord de la littérature. Et la littérature est extrêmement intéressante parce qu'elle remet en perspective ce qu'est la maladie du vieillissement, non pas comme un processus lié uniquement à une altération de telle et telle fonction, mais aussi un processus de stress et un processus de vieillissement. Je ne vais pas rentrer en détail, mais cet article est extrêmement intéressant parce qu'il pose des questions très pertinentes. Quand on regarde un cerveau dans sa structure, eh bien on arrive assez bien à définir quelles sont certaines zones, enfin on a maintenant des moyens techniques pour identifier quelles sont les principales zones impliquées dans le langage, dans la mémoire. Face à un vieillissement normal, mais surtout un vieillissement anormal, un vieillissement pathologique, comme par exemple la maladie d'Alzheimer, on voit qu'il y a une perte du langage, une perte de la mémoire, mais aussi une perte de la structure cérébrale. Il y a une partie du cerveau qui n'est plus là. Et cette partie du cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le cerveau ne fonctionne plus correctement et pourquoi sa structure se modifie ? Eh bien, ce papier travail montre l'importance des modifications des protéines. Et en particulier, il va essayer de démontrer comment les modifications du contrôle de la qualité des protéines est absolument essentielle au développement de certaines maladies neurodégénératives et en particulier liées au processus de vieillissement anormal. Et on a à la fois ici des protéines normales et puis ici, on a également des protéines qui sont anormales, qui ont été altérées et progressivement, ces protéines produisent à la fois un processus de vieillissement anormal, produisent des agrégats qui vont se déposer, qui vont donner eux-mêmes des altérations, mais il y a également des structures de réparation. Et j'aime bien ce petit schéma pour essayer d'expliquer ce qu'est la protéostase. La protéostase, c'est tout simplement quelle est la machinerie qui permet de maintenir dans une bonne qualité les protéines au niveau de l'ensemble de l'organisme et en particulier au niveau du cerveau. Je ne pars dans les détails, mais schématiquement, il y a un équilibre entre les molécules qui, ou les structures ou les processus qui maintiennent la qualité des protéines et d'un autre côté, vous avez des processus qui altèrent la qualité des protéines. Et quand on vieillit, moi, vous tous, mais tous les eucaryotes supérieurs, eh bien, on est confronté à ce problème. C'est-à-dire qu'on a un déséquilibre. La qualité des protéines n'est plus garantie. Et si en plus vous rajoutez des modifications moléculaires, eh bien on a un déséquilibre de la protéostase, la qualité du contrôle protéique. Et donc, quand on s'intéresse au cerveau, et moi c'est mon travail un peu quotidien, eh bien on est confronté à cette situation où on se dit, eh bien on a très bien, on a un contenant, et dans ce contenant, cette boîte crânienne, il y a schématiquement deux structures. Je vais être un peu prosaïque, mais malheureusement, c'est la stricte vérité. Vous avez de l'eau et du flambi. Le flambi, je sais que ça va vous agacer, que j'appelle le cerveau du flambi, mais croyez-moi, sur certains aspects, ça ressemble vraiment à du flambi. Voire même, plus précisément, c'est de l'eau qui coule et du flambi qui se déforme. Et je remercie infiniment la Fédération française des gobeurs de flambi qui m'a offert cette magnifique animation 3D du gobage de flambi. Donc, vous avez la structure qui se modifie, mais également, vous avez des processus qui sont internes. Vous avez à la fois des processus en grande échelle, des phénomènes qui se produisent au niveau macro-structural, au niveau des grandes structures, et des modifications qui se produisent au niveau ultra-structural. Et donc, il faut des outils pour explorer à la fois ce qui se passe au niveau des grandes structures et pour explorer ce qui se passe au niveau des petites structures. Et on a maintenant les outils pour, et j'essaie de m'y atteler. Pour étudier les grandes structures, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait cette chose horrible, mais qui se passe très bien dans mes mains, je vous garantis que ça se passe très bien.
on fait une anesthésie, on fait une ponction lombaire. Et quel est le génie de la ponction lombaire? C'est que quand on met cette petite aiguille, brutalement, on a accès à quoi? On a accès à la biomécanique du liquide. On peut mesurer des pressions, c'est ce que je fais chez mes patients. Je mesure avec une aiguille, ici, pardon, je mesure avec une aiguille la pression. J'ai tout un logiciel qui me permet d'analyser tout cela. Et on peut ainsi caractériser non seulement la pression, mais la biomécanique. Qu'est-ce qui se passe en termes de pulsatilité, d'écoulement? On peut aller extrêmement loin en comprenant avec une simple aiguille quelle est la biomécanique du système nerveux. Mais cette ponction lombaire, qui nous ouvre tout à l'heure un champ sur la biomécanique, nous ouvre aussi un champ sur la biochimie. C'est une fenêtre ouverte sur la biochimie. Et en particulier, on va pouvoir aller faire des prélèvements et étudier qu'est-ce qui se passe, en particulier au niveau de cette structure absolument fondamentale, le réticulum endoplasmique. Pas entrer dans le détail, mais le réticulum endoplasmique, c'est une zone de production des protéines. Donc les protéines normales sont produites à ce niveau, elles sont ensuite acheminées, modulées, architecturalisées, enfin modifiées dans leur structure pour pouvoir devenir fonctionnelles. Et on est capable d'aller explorer différents systèmes, en particulier on peut aller étudier la protéomique. Qu'est-ce que c'est que la protéomique? Eh bien, vous avez le génome ici, l'ADN dans les chromosomes, et puis l'ADN va se traduire sous la forme de protéines, ici, et ensuite ces protéines sont agencées les unes aux autres pour former des sortes d'agrégats de protéines qu'on appelle le protéome. Et donc, nous allons travailler ici sur le protéome, l'ensemble des protéines présentes dans le liquide au niveau lombaire qui traduit ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc avec une simple aiguille, on a accès à la biomécanique et à la biochimie. Sachant que la protéomique est une stratégie qui est extrêmement en vogue parce qu'elle se produit, comme vous le voyez, après le génome. Et le 21e siècle sera sans doute une ère post-génomique, une ère protéomique, où on va s'intéresser non pas au génome, mais à l'expression du génome. Donc j'ai obtenu un travail pour financement pour travailler sur cela. On a eu un petit papier, et puis on a eu une étude qu'on appelle prolifique protéomique liquidienne pour l'hydrocéphalie, parce que je m'intéresse particulièrement aux problèmes de liquide qui circulent, avec une collaboration schématiquement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un patient qui arrive, qui a des problèmes de marche, qui ne marche pas bien, qui a un fléchissement cognitif, qui a une incontinence urinaire, et qui présente également des signes anormaux au niveau du cerveau, peut éventuellement présenter des troubles de circulation du liquide. Et à ce moment-là, je fais toute ma batterie de tests pour essayer d'identifier quel est le mécanisme qui explique le tableau neurologique. Et puis, ces patients, une fois qu'on les a explorés, on fait des prélèvements et on les envoie ici à l'Institut de pharmacologie et biologie structurale, où ils font de la spectrométrie de masse, où ils vont étudier le protéome. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est capable de caractériser dans le liquide de ces patients, le liquide cérébrospinal, le liquide qui baigne le système nerveux, est-ce qu'on est capable d'identifier des caractéristiques, des signatures protéomiques des maladies neurodégénératives? Et puis ces patients, on s'intéresse aussi à la structure, je vous l'ai dit au début. Eh bien, avec l'IRM, on est capable d'analyser non seulement la morphologie, la structure, quel est le volume, quelle est l'atrophie, mais on peut également étudier la dynamique. Qu'est-ce qui se passe en termes de flux, en termes de déplacement des liquides? Et là, j'ai aussi obtenu un travail financé pour étudier quelle est l'interface entre la structure et le fluide face à ces maladies neurodégénératives ou les maladies neurodégénératives de manière un peu plus large. Donc, schématiquement, nous sommes confrontés à un processus de vieillissement qui est un phénomène ubiquitaire. Je vous rappelle que depuis le champignon, la moisissure, la bactérie, le protiste, le ver de terre, le champignon, le poulet et nous-mêmes, nous vieillissons. Sauf que le primate humain, l'Homo sapiens sapiens, a une angoisse existentielle face au vieillissement. Il se bat pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Il essaie de vivre le mieux possible. Il essaie même de rajeunir. Et moi, mon travail consiste à comprendre qu'est-ce qui se passe à la fois au niveau du flambi et au niveau de la protéomique. Je vous remercie. Bonsoir, je ne suis pas scientifique. Moi, un petit peu. Alors, je vais vous poser une question qui est peut-être bizarre. Si j'ai bien compris, par rapport aux études que vous faites, qui sont apparemment déjà pas mal avancées, puisque vous faites déjà des... Comment vous avez dit ça? Des
des proténomes. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive en étant incontinent, qui perd un peu la mémoire, vous faites ce prélèvement-là, vous envoyez à un laboratoire à Paris pour voir exactement quel est le degré, enfin, pour savoir exactement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, enfin, j'ai peut-être pas très bien résumé, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que moi, je voudrais savoir, c'est pourquoi cette étude que vous êtes en train de mener, qui a l'air très intéressante, pourquoi ce n'est pas un protocole, pourquoi ce protocole n'est pas utilisé, je ne sais pas si c'est utilisé en fait, hein. Est-ce que ce ne serait pas bien que ce protocole soit utilisé dans tous ces hôpitaux psychiatriques où on donne aux médecins, aux malades des médicaments qui les rendent pratiquement comme je ne sais pas trop quoi, enfin, qui empirent leur situation plus qu'autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose en ce sens-là? Parce qu'en plus, j'ai lu dans sur Internet, hein, il y a du bon et du mauvais, c'est vrai. J'ai lu qu'il y avait certains protocoles, certains médicaments qui étaient, par exemple, utilisés dans certains pays, mais qui n'étaient pas utilisés en France parce que l'agence du médicament n'avait pas validé, je crois, le nombre d'expériences que les chercheurs avaient fait. Donc, du coup, vous avez des pharmacies, par exemple, qui sont à Perpignan, qui vendent le médicament, et ces médicaments sont très utilisés par les frontaliers. Mais les malades français ne peuvent pas y accéder parce que les médecins français ne veulent pas le prescrire. Aux États-Unis, ils en vendent. En Allemagne, ils utilisent. Enfin, je ne sais pas. Ils ne sont pas. J'en sais rien. Hein. Ce sont des protocoles qui marchent, ce sont des médicaments qui marchent, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les transposer? Pourquoi il y a toujours ce retrait? Enfin, c'est peut-être un excès de prudence. Je ne sais pas. Alors, pour répondre à votre question, deux choses. Premièrement, c'est un projet de recherche. Ah, d'accord. Donc, moi, j'essaie de comprendre. Je ne dis absolument pas que j'ai de solution. J'essaie de comprendre. Mon rôle, c'est d'essayer de comprendre. Essayer de traiter, c'est plus compliqué. J'essaie de comprendre, déjà, ce serait très bien. D'accord. Deuxièmement, par rapport à vos questions, à la seconde question, il y a un principe général qui est le principe de précaution. Ouais. Le principe de précaution, c'est un principe très important qui prévaut à l'heure actuelle. Et on ne propose des molécules. Je ne connais pas du tout ce sujet, mais on propose des molécules que lorsqu'elles sont validées de manière objective par un collège de gens qui évaluent ce type de molécules. Donc, le principe de précaution prévaut lorsqu'on propose des molécules et les expériences récentes ont montré qu'il fallait être très prudent. D'accord. Bon. Merci. La question, c'est tumeur au cerveau. Oui, mais je se situe où dans le cerveau? N'importe où, madame. N'importe où. Et ça provient de quoi? La cause exacte, voilà. On ne la connaît pas. Ah. Ce qu'on sait, c'est que les cellules n'ont plus de capacité de se freiner. Elles se développent de manière continue. Elles deviennent, en quelque sorte, immortelles. Et il y a très probablement des mécanismes communs entre les processus de vieillissement dont le but est d'avoir un début et une fin. On naît, on vieillit et on meurt. C'est le processus normal chez tous les eucaryotes. Mais dans la particularité des tumeurs, eh bien certaines cellules oublient ce principe général et décident de vivre leur propre vie au détriment de l'hôte dans lequel ils se trouvent. Ça, c'est le principe général pour tous les cancers, que ce soit au niveau de tous les organes ou au niveau du cerveau. Il n'y a pas de spécificité. Ah bon, merci, monsieur. Bonjour. Donc, est-ce que suite à la ponction lombaire que vous faites sur vos patients, vous êtes capable, suite à l'examen par spectrométrie de masse, de déterminer quel type de pathologie neurodégénérative, s'il y a, le patient est touché? Absolument pas pour l'instant. Cette étude est une étude pilote. Pour entrer dans les détails techniques, on n'a même pas d'effectifs calculés puisqu'on va à l'exploration. Mais on a une hypothèse derrière. L'hypothèse est que l'on peut caractériser certaines maladies avec une étude protéomique. Et on a même un
délire qui consisterait à se dire que la nosographie, ça veut dire la capacité de décrire les maladies, peut se faire avec des signes cliniques, mais aussi avec un marqueur protéomique. Et il y a différents travaux qui existent déjà dans ce domaine. Donc, l'avantage de la protéomique est qu'on va s'intéresser beaucoup plus précisément au fonctionnement de la structure cérébrale et à son, je dirais, son intimité de la machinerie. En particulier, j'ai montré le réticule endoplasmique et toutes les structures de production et de contrôle protéique. Mais là, c'est une phase très en amont. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans cette étude. Sachant que quand vous mettez un demi-millilitre de liquide dans la machine, il vous sort 1800 polypeptides, 1800 protéines. Donc ça veut dire qu'on a un échantillon extrêmement large de protéines qui vont être produites. Et est-ce que ces protéines ont un sens ? Dans le projet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des collaborations avec l'Institut de mathématiques où ils vont essayer de donner un sens à tout cela. Et eux vont réfléchir de manière abstraite. Ils vont, sans a priori, ils vont prendre les données, les analyser et voir si on arrive dans l'ensemble des patients, dans 100 patients inclus, est-ce qu'on arrive à trouver des groupes de protéines, une association de protéines qui peut être associée à certains signes cliniques. Et donc, on essaie de penser différemment les processus des maladies neurodégénératives, sachant que les mécanismes qui expliquent l'Alzheimer, la démence, le Parkinson ont certaines spécificités, mais aussi des racines communes. On sait que les patients qui développent une maladie d'Alzheimer ont aussi des problèmes vasculaires. On sait que les patients qui ont des problèmes vasculaires ont aussi des plaques qui signent la maladie d'Alzheimer. Donc il y a une sorte de convergence des mécanismes. Et on essaie de penser différemment. On essaie de se dire, eh bien, face aux patients qui ont un processus de vieillissement anormal du cerveau, je dis bien vieillissement anormal, est-ce que l'étude de la protéomique et l'étude de la structure vont nous aider à trouver des ponts communs et à éclairer les processus de vieillissement, surtout le processus de passage du vieillissement robuste à un vieillissement anormal, à un vieillissement pathologique, peut être éclairé par le profil d'études qu'on met en place. Merci. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous avez dans l'objectif ou dans l'espoir, grâce à votre étude, de ralentir le vieillissement anormal cérébral ? Ralentir, surtout pas. Surtout pas. Moi, j'ai eu une discussion à ce sujet il n'y a pas très longtemps avec un chercheur de Lyon. Vous avez schématiquement, face au vieillissement, deux grandes approches que je qualifierais d'approche latine ou d'approche anglo-saxonne. Le but des anglo-saxons est non pas de comprendre, mais surtout de permettre à certains élus d'avoir une espérance de vie la plus longue possible. Et le but est de pouvoir faire des centenaires qui sont en très bonne forme et après aller à 110, à 120 ans. Ça, c'est l'approche. Et il y a beaucoup de travaux qui sont à l'heure actuelle. Et certains se font congeler, cryogéniser pour qu'ultérieurement on ressorte et que par miracle ils réapparaissent. Je n'y crois pas beaucoup. Et puis, il y a l'approche plus latine dans laquelle nous sommes ancrés qui consiste à dire, moi je vis, j'ai eu un début, j'aurai une fin. Tout ce que je veux, c'est ma qualité de vie. Et je dirais même un élément encore plus important qui est la dimension sociétale, qui est l'autonomie. Je veux rester autonome. Je ne veux pas être dépendant. Et donc la manière de voir les choses, peut-être soit on positionne la réflexion par rapport au vieillissement qui s'inscrit, comme d'autres travaux, qu'est-ce que je fais pour maintenir au mieux ma qualité de vie sur une période le plus prolongée, ou bien est-ce que je dis non, je veux tout faire pour que ma qualité de vie soit optimale, et que je ne bascule pas du vieillissement normal, qui est le processus que nous vivons tous les jours, vers un vieillissement anormal. Parce que malheureusement, dans la population ici, j'en fais sans doute partie, nous allons vieillir certains de manière anormale. C'est une loterie. Certains ont un petit peu pipé les dés en fonction de leurs habitudes alimentaires, de leur patrimoine génétique, mais nous allons vieillir de manière différente. Et comment ce vieillissement se produit ? Qu'est-ce qui fait que l'on va pouvoir modifier ou que l'on pouvoir identifier des facteurs. L'important pour moi, par rapport à la question que vous posez, qui est la bonne question, n'est pas de dire « je veux que tout le monde vive jusqu'à 120 ans », mais essayons de comprendre le processus du vieillissement, et essayons de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un processus de vieillissement normal à un vieillissement pathologique, avec comme ligne de mire une dimension sociétale qui est en filigrane de mon travail, qui est la notion de maintien de l'autonomie. Et est-ce que
l'approche protéomique va nous aider à comprendre comment le contrôle protéique est fait. Et je clôt le commentaire avec une petite parenthèse que j'aime beaucoup. Qu'a fait la nature pour pouvoir éliminer dans un organisme le stock de protéines anormales? Tous les jours, nous créons des protéines anormales que le système ne peut plus éliminer, qui stagnent. Et comment fait la nature pour éliminer ce stock? Eh bien, la nature a inventé un processus génial, la reproduction. La reproduction, eh bien, vous prenez deux cellules, vous prenez des cellules qui avaient stocké de manière anormale des protéines, eh bien, les cellules vont se reproduire, les vieilles cellules sont éliminées et les jeunes cellules vont pouvoir repartir. Donc le fait que nous ayons un début et une fin est absolument essentiellement attaché à notre qualité protéique. Et le contrôle de la qualité protéique, quels que soient les mécanismes biochimiques auxquels on s'adresse, est absolument central. Et bien manger, c'est très bien, mais on peut, les médicaments, c'est très bien. L'important est de comprendre qu'est-ce qui se passe de manière sous-jacente et quels sont les mécanismes qui produisent ces vieillissements anormaux avec une vision à la fois macroscopique et microscopique. Donc, merci beaucoup à Eric Schmidt pour sa présentation. Toutes les présentations sont finies. On va laisser le jury délibérer. Voilà, c'est 5 minutes pour se mettre d'accord. En attendant, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, peut-être encore pour n'importe lequel des conférenciers. On a 5 minutes, donc. Oui, j'ai une dernière question, professeur, s'il vous plaît. J'imagine qu'on a dû, pour le professeur, j'imagine qu'on a dû vous poser plusieurs fois cette question. Que faire pour entretenir sa mémoire, son cerveau? Parce qu'à chaque fois, on nous sort le lot de les compléments alimentaires, les vitamines, en fait, moi, je suis perdue. J'aurais une réponse très simple. Oui. Faire des études comme celle-ci. Poser des questions. Essayer de comprendre ce qui se passe. Parce qu'on a effectivement vous trouvez beaucoup de choses sur Internet. Oui. Essayons de comprendre les choses. Ne soyons pas englués par des événements irrationnels qui dominent actuellement. Essayons d'apporter du rationnel, de la raison. Comprenons ce qui se passe. Est-ce que les compléments alimentaires, les petites pilules multicolores sont utiles ou non? Et on a des outils pour répondre à la question. Posons des questions de manière objective et on a les outils pour y répondre. Je suis d'accord avec vous, mais en même temps, si vous voulez, on sait très bien que ce que nous mangeons aujourd'hui, dans les aliments que nous mangeons au quotidien, il n'y a plus de vitamines aussi. C'est complètement dénaturé que même en mangeant normalement, on n'a pas l'impression d'avoir. Quel est le plus grand stress auquel vous êtes confronté à l'heure actuelle? Moi aujourd'hui, franchement, j'ai peur pour ma santé. Donc là, on est dans un stress psychologique. Oui. La vraie menace chez vous, c'est le stress oxydatif. C'est le stress oxydatif. Parce que le stress psychologique est dans un champ tout à fait différent, qui a une expression qu'on connaît bien. Le stress oxydatif, c'est lié effectivement à la production de molécules qui vont être toxiques, toxiques qui vont se traduire sur plein d'expressions assez variables. Et cette modification, ce stress biochimique, est la vraie menace. Et en fait, on est assez mal armés. Certains ont les outils biochimiques pour lutter contre ce vrai stress qui est la vraie menace, qui est le stress biochimique oxydatif. D'autres ne l'ont pas. Donc je crois qu'il faut surtout essayer de se dire qu'est-ce qui fait que je suis dans une condition difficile, quels sont les paramètres qui vont interférer. Je n'ai pas de réponse spécifique. Il y a des travaux qui sont en cours. Moi, je travaille un petit peu sur ce domaine, mais l'important est de poser les bonnes questions et de ne pas diverger. C'est vrai, mais je pense que... Je vais prendre rendez-vous avec vous, je pense. Je n'ai pas de réponse non plus, mais je pense que vous, c'est votre domaine. Moi, ce n'est pas le mien. Moi, je suis dans la finance. Ouais. Donc, du coup, je suis perdue. Ouais. Donc, j'ai besoin qu'on m'oriente, qu'on me dise, ça, c'est pas bon. Enfin, je ne sais pas, je suis... Oui, alors, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment... On peut dire, par exemple,
On peut dire par exemple que le défaut d'activité, l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, voilà, ce sont des facteurs qui ont été démontrés comme étant le défaut d'activité, par exemple, est un paramètre essentiel. Oui. Le défaut d'activité est un paramètre essentiel dans nos vies sédentaires. C'est vrai que je marche déjà, c'est déjà très bien. Merci beaucoup, docteur, enfin, professeur. Donc, dans un premier temps, je voudrais remercier la médiathèque de Toulouse de nous avoir accueillis. Je voudrais remercier l'organisation de la Semaine du cerveau à Toulouse pour l'idée et l'organisation de cet événement. Remercier tous les conférenciers présents pour leurs interventions, sans quoi ça n'aurait pas pu avoir lieu. Vous remercier également de votre présence et remercier le jury qui vient de délibérer. Toutes les présentations étaient vraiment très intéressantes. Mais le jury s'est décidé et a décidé de d'élire la dernière, celle de Eric Schmidt, sur l'ingénierie du vieillissement cérébral. Voilà. Vous repartez donc avec deux livres. Voilà. Et également la possibilité de venir à la rentrée présenter de façon sur un format plus long vos travaux de recherche ici même. Voilà. Oui. Oui, je disais qu'au départ, il s'agissait de présenter des travaux de thèse. Des travaux de recherche. Des travaux de thèse en 300 secondes. Des travaux de recherche, oui. Mais au départ, en 300 secondes, mais dû au peu d'intervenants, c'est passé sur un format 20 minutes. D'accord. Bon. Écoutez, il me semble que l'ensemble des présentateurs méritent des félicitations égales, oui, étant donné le changement de format du dernier moment. Et effectivement, merci à tous, vraiment. Et je pense qu'on peut les applaudir à nouveau parce que c'était vraiment, vraiment de très belles présentations. Merci à tous et bonne fin de journée.